Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième masterclass FFE pour les clubs. Donc je suis avec Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir Sylvain, Alors bonsoir à bonsoir à tous. tous. Voilà. Donc on vérifie que ça se soit bien lancé. Donc n'hésitez pas à nous dire au niveau du son. Donc on nous a conseillé d'essayer de faire plutôt fort que pas fort. C'est vrai que si c'est fort, vous pouvez baisser le volume. Si vous avez le volume au max. Eh bien, vous ne pouvez pas forcément augmenter. Donc, on va essayer j'ai boosté un peu les volumes et puis on va essayer de parler fort aussi. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours au niveau du son. On est toujours preneur de tous les retours hein, par rapport à tout ça. Donc, je vais mettre par exemple maintenant la page. Voilà. Alors, par contre, qu'est-ce qui s'est passé avec On nous dit que Animation le son est Marc? top. Ok. C'était surtout mon son qui posait problème lors de la première masterclass. Donc, n'hésitez pas à dire si c'est bien, OK pour tout le monde ce soir. Alors j'en profite juste pour recadrer un petit peu ta webcam. Donc. Alors, bon, donc Sylvain nous revient il n'y a pas longtemps du championnat du monde jeune. Hein, il était en Espagne ce matin. Oui, encore Donc, ce matin, donc je viens juste de revenir. Donc c'est un peu la course. Alors, on va afficher les clubs qui ont participé la dernière fois. Tac. Tac, parce que Sylvain est entraîneur de tac. l'équipe jeune de Équipe la de fédération. France. Équipe de France jeune, voilà, qui faisait les championnats du monde des petites catégories en Espagne, et qui s'est terminée hier. Donc il y a la dernière ronde, la remise des prix avait lieu hier. Donc est-ce que tout le monde a l'air prêt? On va essayer de commencer nettement plus tôt que la dernière fois. C'est vrai que la dernière fois c'était la première, on voulait un peu voilà, présenter. Mais aujourd'hui, on va pas faire beaucoup de temps mort avant de se lancer dans le premier chapitre qui concerne les ouvertures. Donc on va juste, si vous êtes un club qui participait et que vous ne voyez pas votre nom dans la liste, je crois qu'il y a un club qui nous a écrit, Marc, aujourd'hui. Oui, c'est donc l'échiquier Briançon, je crois. Alors... Et puis là, j'ai vu pas mal d'échiquier romanais pajois, Cassis échec, Club de Alors... Langogne, On va essayer de dire juste si vous Riocha. n'êtes pas dans la liste, si vous n'êtes, on vous salue tous, bien sûr, merci d'être avec nous. Mais si vous n'êtes pas dans la liste de la dernière fois, si vous êtes un nouveau club, vous pouvez si vous y arrivez, si vous avez les moyens techniques de le faire, vous signaler, comme ça on peut vous rajouter. Il y Et en a Marc, beaucoup, peut-être que hein. tu peux retrouver le club qui nous a écrit aujourd'hui, car je crois qu'il n'était pas dans la liste. Si, c'est le Bri... Alors, Chiquet Briochin. Briochin, je crois qu'il Briochin. l'était, mais il y en a un autre qui nous a écrit. D'accord. Saint-Georges, je crois, à vérifier. Je peux vérifier en même temps, et puis après, on va démarrer. Hein. Là, je ne sais pas si tu as vu dans le chat, mais il y en a pas mal. Alors, je vais essayer d'en mettre quelques-uns, et puis on va démarrer dans quelques minutes. Hein. Juste le temps. Hop. Bon échec peut-être. Et Saint-Georges sur Bolche. Ah voilà, c'était celui que j'avais en tête. Alors Saint-Georges sur Bolche. Bolche c'est Baulches. Saint-Georges sur Bolche. Hein? Bolche, Tu m'as ouais. cité Beaune aussi, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a un S? Non. Hop. Alors à Bolche, il y a un S à la fin. Mais à Beaune, il n'y en a pas, c'est ça? Je crois pas. Ok. Maison Alfort, Île Échec. Alors c'est effectivement peut-être des nouveaux clubs. Hein. On va peut-être rajouter Maison Alfort. On salue le club de Belfort. Il y a EMDPP de Sillé. C'est technique là. Hein. Club du Puteaux. Le Cavalier de l'Espérance. Alors, Maison Alfort, il faut un S, autant pour moi. Oula. Et on va juste mettre Île Échec. On pourra pas mettre tout le monde, hein. On est. Alors, pas de S à Bolche, mais dans le mail, il y avait un S. Ah, le piège! On Oui. nous a piégés!
Ok, donc on ne pourra pas mettre tout le monde, c'est juste pour un peu pour l'info. De notre côté, avec Marc, on complète la liste et on essaye de vous envoyer les supports dans la foulée des masterclass en par mail, sachant bien sûr qu'ils sont publiés sur le site de la FFE, sur la page que vous connaissez, page dans la rubrique Document Club. Mais si jamais vous voulez, disons, assurer, vous voulez recevoir par mail, vous pouvez nous écrire à l'adresse masterclass@ffechec.fr si je ne m'abuse. Et j'en profite pour redonner l'adresse pour envoyer vos photos. Si vous organisez une projection, n'hésitez pas à faire quelques photos. On sait que maintenant avec les smartphones, c'est assez facile et rapide. Donc vous pouvez les envoyer à Samuel qui s'occupe des réseaux sociaux de la FFE. Donc vous avez l'adresse sur la droite, samuel.pilka@ffechec.fr. Ou alors carrément sur Twitter, si vous avez un compte Twitter, vous mettez @FFEchec, vous citez la FFE. Comme ça, il peut facilement répercuter vos photos et donc vos événements. Voilà, Marc, je crois qu'on a fait une bonne introduction, pas trop longue. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de bons retours de la première masterclass. Oui, et puis pour les clubs dont on n'a pas affiché les noms, parce qu'il y en avait quand même beaucoup, on les rajoutera de toute façon à la fin. On a un historique du chat, donc on pourra rajouter pour la prochaine fois. Effectivement, on peut revoir l'historique. Donc, bien sûr, vous pouvez revoir cette vidéo en différé, hein, à tout moment. Donc, vous pouvez réorganiser une projection ou comme bon vous semble. Allez, c'est parti. Sans plus tarder, 19h06. Allons-y. Donc, on enlève liste des clubs. On rajoute l'échiquier. Alors, Et. l'échiquier briochin nous dit qu'ils n'ont pas de son. Est-ce que c'est normal? Eh bien, non, c'est pas normal du tout. Non, ça, c'est donc. Malheureusement, si tous les autres ont le son, c'est que le problème vient plutôt de leur ordinateur. Il faut qu'ils Alors, fassent. Stéphane Kroot nous dit qu'ils sont 12 du côté de son club. Alors, je n'ai pas relevé lequel c'était. On peut aussi. Oui, c'est le club. Du Nord. C'est pas Est-ce que c'est Rouen, le c'est. Luc? Non. Non, c'est. J'ai été faire le tournoi d'échecs avec mon fils en plus aux Ah! dernières vacances. Mais. Dieppe, non? Non, mais je sais que Dieppe souvent Non, participe. c'était pas Dieppe. Alors, il met Stéphane Croûte, la rivière Saint-Sauveur. D'accord, voilà, bah, ils sont cités. On peut aussi citer l'Association des joueurs d'échecs du barreau de Paris. Un club qui s'est créé récemment, il me semble. Voilà, et puis il y a des clubs qui ne sont pas ouverts, mais il y a des joueurs qui assistent quand même à cette masterclass. Donc, on débute avec le chapitre sur les ouvertures. Donc, comme l'autre fois, il y aura trois chapitres. Un chapitre sur les ouvertures, un chapitre sur le milieu de jeu et un chapitre sur les finales. Alors, l'idée, c'est de vous donner quelques idées essentielles qui pourront vous servir, vous resservir. Donc, c'est Marc qui a préparé le chapitre ouverture et il a eu le bon goût de s'inspirer du match de championnat du monde qui a lieu d'ailleurs en ce moment, hein, puisque la partie est en cours. Sauf si il y a déjà eu nul, mais je crois que ça joue encore, hein. Et donc, le thème choisi par Marc pour aujourd'hui, c'est la Sicilienne Rossolimo. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu il y a eu trois parties dans ce match sur le thème de la Sicilienne Rossolimo, dont deux qui employaient la même ligne, la même variante. C'est vrai que la troisième, il y a eu un gambit, c'était un petit peu différent. Et cette ouverture est très intéressante d'un point de vue positionnel, puisque très rapidement, il y a un déséquilibre matériel et structurel qui est provoqué. Donc ça donne un jeu très riche positionnellement. En plus, c'est une ouverture où il y a pas mal de manœuvres. Donc, on va pouvoir s'intéresser à cette ouverture. Alors, pour commenter cette ouverture, je me suis intéressé aussi à ce qui a pu être dit chez d'autres commentateurs, hein. Il y a Kevin Bordy sur sa chaîne YouTube, Blitzstream. Il y a aussi Igor Natas qui fait des vidéos chaque soir sur Europe Échecs. Voilà. Donc Ce Marc, moi juste sont. si tu peux essayer de par rapport à la webcam, comme il y a les icônes qui sont restées, tu peux essayer de te Oui. mettre un peu plus haut. Voilà. Super. Voilà. Donc Donc, Sylvain, c'est. tu sur,
sur mon écran, là, Ah je oui, vois pardon, pas le. excuse-moi, excuse-moi. Oui. Voilà. Alors, dans cette ouverture au Solimo, donc c'est Carlson qui a donc les noirs et Fabien de Caruana, pardon, a les blancs. Et donc, on va s'intéresser déjà à la première partie du match, hein. Donc, Fabien de Caruana a les blancs, il commence par E4 et les noirs répondent par C5. Bon, déjà, Magnus Carlsen C'est une petite s'écarte un surprise. peu. Ouais, Oui, c'est voilà, une il petite s'écarte un peu surprise de parce ce qui est. que son coup préféré, c'est E5. Hein. C'est vraiment l'arme avec laquelle ben, il est devenu champion du monde et avec laquelle il est resté champion du monde. Donc, son arme préférée. Hein. Et là, quand même, petite surprise pour son adversaire dès la première partie. Défense Voilà, mais saisie. c'est vrai que Fabiano Caruana va avoir l'habitude de continuer par cavalier F3, cavalier C6 et fou B5. Donc il rentre dans la Rosolimo. Donc après cavalier C6, bien sûr, il y a d'autres coups. Le coup principal, c'est D4, l'ouverture du centre, Voilà, où la on va avoir le sicilienne coup. ouverte. Voilà, la sicilienne ouverte, où on va avoir deux colonnes semi-ouvertes qui vont s'ouvrir, la colonne D en faveur des blancs et la colonne C en faveur des noirs. Donc, mais Magnus Carlsen. Je pense qu'il savait que Fabiano Caruana continuerait à jouer la sicilienne Rosolimo avec fou B5, sur laquelle il a fait quand même de très bons scores à haut niveau. Donc, alors c'est sûr, quand on joue cavalier C6, on peut. Ah bah on s'expose. Il faut être prêt hein, en cas de D4, bien sûr. Là, donc, Oui, ça peut s'orienter souvent sur des siciliennes Svechnikov. C'est. Oui, pour l'instant, on ne peut pas être sûr à 100% de ce que Carlsen avait préparé, puisque Caruana n'a pas ouvert la sicilienne pour l'instant. Mais effectivement, il y a pas mal de commentateurs qui supposent que c'est la Svechnikov. Donc, on peut montrer rapidement ces cavaliers F6 qui avaient ces trois pions E5. Svechnikov, qui avait été choisi par Boris Gelfand dans son match de championnat du monde contre Anand en 2012. Et on remarque plusieurs similitudes au niveau du débat théorique avec ce match de 2012 à Anand-Gelfand, puisqu'il y avait déjà eu cette Rosolimo, et puis aussi Anand avait essayé d'ouvrir un moment d'affronter la Svechnikov. Voilà, donc après cavalier C6, les trois parties qui ont été jouées après cet ordre de coup, donc Fabiana Caruana a répondu à chaque fois fou B5. Donc évidemment, quand le fou vient en B5, il faut toujours penser au déséquilibre probable qui peut être provoqué par l'échange du fou contre le cavalier. C'est vrai que cet échange va modifier le rapport matériel, puisqu'on n'aura plus les mêmes pièces, et va également modifier la structure de pion, puisque les noirs devront reprendre soit du pion B, soit du pion D, et la structure de pion va donc se différencier. Alors, Carlson a répondu à chaque fois par G6. Pardon. Et là, on a l'échange immédiat. Donc, les blancs n'attendent même pas d'être provoqués par un éventuel A6. Donc, ils échangent tout de suite. Donc, on va faire un petit point sur cet échange parce qu'il faut comprendre ce que ça implique. Quand les blancs échangent leur fou de case blanche contre le cavalier, il va y avoir une modification dans le contrôle des couleurs. C'est-à-dire que les blancs, ils vont maintenant bénéficier d'une supériorité quantitative de pièces légères pour jouer sur les cases noires. En effet, il va leur rester deux cavaliers et un fou, donc trois pièces légères, pour jouer sur les cases noires. Alors que les noirs, il leur restera juste un fou et un cavalier. Donc les blancs se renforcent sur les cases noires et devront essayer de trouver du jeu sur les cases noires. On voit d'ailleurs que les noirs ont joué G6, donc ils affaiblissent un petit peu la case H6. C'est une case sur laquelle les blancs pourront essayer aussi de provoquer quelques échanges. On a parfois la suite avec pion D3, fou E3, dame D2. Et une fois qu'on a mis la batterie dame D2, fou E3, le fou peut venir en H6 pour retirer un des défenseurs de l'aile roi noir. Donc les blancs se renforcent sur les cases noires. Mais bien sûr, les noirs, eux, vont se renforcer sur l'autre couleur, sur les cases blanches. Alors pourquoi? Ils n'ont pas plus de pièces légères. Hein. Les blancs ont deux cavaliers qui sont capables de jouer sur les cases blanches et les noirs, ils ont aussi deux pièces légères. Ils ont le fou et le cavalier. Mais ils bénéficient du fou de case blanche. Et ça, c'est une pièce que les blancs n'ont plus. Donc on parle souvent de la paire de fous. Mais c'est quoi la paire de fous? Bah, c'est d'avoir le fou que l'autre n'a pas en réalité. Et ici, les noirs n'ont pas vraiment de jeu sur les cases noires, ils sont en infériorité. C'est le jeu sur les cases blanches qu'ils devront essayer de créer dans la partie. Et c'est assez amusant parce qu'on a quelques similitudes avec la défense berlinoise que Carlsen jouait dans d'autres matchs,
qui intervient après E4 5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, cavalier F6, et on a ce possible échange du fou contre le cavalier. Alors habituellement, on continue par petit roque, cavalier prend E4, D4, cavalier D6, et là, fou prend C6, D prend C6. Et puis les blancs reprennent en E5 avec le pion. Et on a le même rapport matériel, c'est-à-dire que les noirs, ils ont également le fou de case blanche, alors que les blancs, ils ont trois pièces légères pour jouer sur les cases noires. Et on a ces pions doublés sur la colonne C. Bon, alors les similitudes avec la défense berlinoise s'arrêtent là, parce que dans la défense berlinoise, les blancs, ils ont une majorité de pions à l'aile roi, avec les pions E5, F4, G2 et H2, alors que dans la Rosso Limo, il n'y a pas de majorité de pions. Et puis dans la Rosso Limo, le pion, il n'est pas en E5, contrairement à la berlinoise. Le pion blanc, il est en E4. Et ça change pas mal de choses parce que ça va permettre de mieux lutter contre le fou C8. Parce que quand le pion blanc est en E5, il ne contrôle pas la case F5, et puis il y a des diagonales qui s'ouvrent, comme la diagonale B1 H7 qui est ouverte, ou la diagonale même A8 H1. Parfois, on voit dans la berlinoise des plans comme B6 C5 et fou B7. Mais lorsqu'il y a un pion en E4, comme dans la Rosso Limo, surtout que le pion E4 peut être défendu par le pion D3, ça peut faire un mur sur les cases blanches, et finalement, ça s'oppose mieux au fou de case blanche. Alors certes, les blancs n'ont donc pas de majorité comme dans la berlinoise, de majorité de pions, mais par contre, ils ont une structure capable de mieux résister contre le fou de case blanche. Voilà. Il y a une autre différence importante, hein, c'est le placement des pions doublés. Dans la berlinoise, les pions sont C7, C6, et ici ils sont C6, C5. Et souvent, on se rend compte que le pion C5, bien sûr, est beaucoup plus vulnérable. Et donc, il y a beaucoup de variantes où les blancs peuvent essayer d'attaquer ce pion. Et on a vu d'ailleurs qu'il y avait un gros débat autour de ce pion en C5 Oui, dans la. d'ailleurs, c'est pour ça que l'utilisation du pion B7 est très importante. Il faut penser à bien le garder en réserve pour pouvoir jouer B6 et solidifier le pion C5. Parce que les blancs, ils ont donc plus de pièces légères pour attaquer sur les cases noires. Et le pion C5, il est sur une case noire, donc il peut être vulnérable. Alors, si tu veux bien, Sylvain, revenons à la position où il y a fou prend cavalier C6. Ici. Puisqu'après tout, les noirs peuvent reprendre de deux façons différentes. On parlait donc de la modification matérielle, donc maintenant on sait que les blancs se renforcent sur les cases noires et les noirs sur les cases blanches, mais il y a également une modification de structure de pion. Est-ce qu'on doit reprendre du pion B ou du pion D? Alors, on trouve les deux reprises, hein, parmi les forts joueurs. Mais dans l'élite professionnelle, j'ai l'impression que c'est plutôt D qui prend en C6 qui est pour l'instant privilégié ou qui est à la mode, je ne sais pas comment dire. Absolument. Et Le alors, principal, qu'est-ce on que peut ça dire. peut impliquer? C'est vrai qu'on conseille souvent aux jeunes de reprendre vers le centre. Et donc dans ce cas-là, il vaudrait mieux reprendre du pion B vers le centre, donc en C6, pour avoir une masse de pions plus importante pour contrôler les cases du centre. Après tout, pourquoi pas? Mais reprendre du pion D offre ici de l'intérêt, en fait. Parce que quand vous faites D prend C6, tout de suite, vous ouvrez la diagonale du fou de case blanche. Ça peut être utile si on a envie justement d'essayer de faire jouer ce fou de case blanche. Hein. On peut même, pourquoi pas, aller en G4. C'est pour ça qu'on a souvent le coup H3 des blancs pour essayer de limiter l'influence de ce fou de case blanche. Et puis surtout, on ouvre la colonne semi-ouverte D. Bon, à quoi ça sert d'ouvrir cette colonne semi-ouverte D? Eh bien, en fait, on va s'apercevoir que la dernière case exploitable par un cavalier sur cette colonne semi-ouverte D, c'est la case D4. C'est ce qu'on appelle un avant-poste. Et les noirs, ils peuvent construire un plan pour essayer de placer leur seul cavalier en D4. Alors vous allez me dire, oui, mais le cavalier G8, il est très très loin de rejoindre la case D4. Il n'a pas de chemin vraiment rapide. Et c'est vrai, vous avez raison, le chemin du cavalier pour aller en D4 est assez tortueux. Mais comme c'est une position quand même à un caractère encore assez fermé, ça prête aux manœuvres. Et d'ailleurs, on va voir que c'est une manœuvre typique et thématique dans ce type de structure, de manœuvrer le cavalier pour aller sur la case D4. On trouve souvent la manœuvre cavalier en F6, cavalier en D7, cavalier en F8, cavalier en E6 et cavalier en D4. Alors les joueurs peu expérimentés ici, ils vont se dire, mais on n'aura jamais le temps de faire ça. En tout cas, pas forcément les joueurs peu expérimentés, mais ceux qui ont vu peu de parties sur ce type d'ouverture. Donc c'est vrai que c'est très long et c'est vrai que c'est pas facile d'y arriver, mais force est de constater que on arrive à voir cette manœuvre s'établir dans
dans la Rossolimo. Oui, il faut dire que la structure ne bouge pas beaucoup. Elle est bien établie en fait. Donc les blancs certes vont mettre le pion au D3, mais après il n'y a pas beaucoup de modifications à ce niveau-là. On sait que souvent il y a une lutte pour le centre et que les blancs essayent dans beaucoup d'ouvertures d'avancer au centre, hein, que ce soit par D4 tout de suite, comme le coup de la Sicilienne, hein, Sicilienne ouverte, ou bien par C3 D4 comme dans les Siciliennes de type Alabine. Mais ici c'est une mauvaise idée, ça pourrait être tentant hein, de faire D4 ou de faire C3 D4 d'ailleurs. On pourrait se dire pourquoi pas C3 D4. Mais ça va être simplement dédoubler les pions. Le pion C5 dont on parlait qu'il était vulnérable. Donc déjà une première mauvaise idée. Et puis en plus, ça ouvrirait la position pour la paire de fous. Donc les noirs, ils ont la paire de fous. Si le centre commence à s'ouvrir, ça peut être très avantageux pour les noirs. Et puis jouer C3 va affaiblir aussi quelques cases blanches. Hein, si le pion est avancé en E4, que le pion va en C3, la case D3 s'affaiblit. Alors bon, on peut se dire que ça n'a pas d'importance. En réalité, quand la position s'ouvre, la paire de fous va s'exprimer, comme tu le dis très justement. Et peut-être que le fait qu'on puisse plus contrôler la case D3 va permettre aux noirs de soit à un moment donné d'exploiter cette case, soit même d'exploiter les diagonales, par exemple la diagonale A6 F1, sans que ça soit maintenant facile de mettre un pion en D3 pour la fermer, parce qu'il n'y a plus le soutien du pion C2. Donc les décisions que l'on prend dans l'ouverture au niveau des pions, on peut le payer 20 coups plus tard. Et quand l'adversaire est plus fort que nous sur une couleur, il faut éviter dans la mesure du possible de s'affaiblir sur cette couleur. Donc voilà. Oui, et c'est vrai que par exemple sur C3, bon, déjà rien que B6 fois A6, on se rend compte que ça peut être très pénible. On a beaucoup de mal à contrôler les cases blanches. Et donc ça illustre ce que disait sur les cases blanches tout à l'heure. Voilà. Donc dans la partie, après fou prend C6, Magnus Carlsen répond par la réponse assez habituelle à haut niveau, D prend C6. Il ouvre la colonne D et la diagonale de son fou. Alors les blancs jouent D3, donc ils consolident les cases blanches pour s'opposer au fou C8, hein, et ils ouvrent la diagonale de leur fou de case noire. On voit souvent des batteries d'attaque qui se placent par fou E3 qui va permettre de mettre la pression sur le pion C5 suivi de dame D2 qui va permettre pourquoi pas à un moment donné de rentrer en H6 pour essayer de casser la paire de fous de l'adversaire. Parce que si le cavalier G8 n'est plus là et que par exemple les noirs ont posté le fou en G7, ça peut être intéressant de retirer la paire de fous et d'affaiblir la défense sur les cases noires en jouant cette manœuvre. Alors ici Magnus Carlsen continue par le coup normal, il joue fou G7. Et là, Caruana continue par son coup habituel, il joue H3. Un coup assez habituel, ça évite fou G4, ça permet de museler un peu le fou de case blanche. Et puis, il y a un plan dans cette structure qui va consister à jouer cavalier H2. Alors, on se dit, mais cavalier H2, c'est bizarre de jouer cavalier H2. En réalité, c'est pour redonner la liberté au pion F2, pour qu'il puisse aller en F4. Et puis, le cavalier H2 peut parfois rebondir avec intérêt en G4. Et si les blancs prennent en G4, on pourra C'est une première. reprendre. Et puis on aura cassé la paire de fous de l'adversaire. Et puis si les blancs ne prennent pas, le cavalier G4 peut viser la case H6 aussi. Et si les noirs ont avancé le pion E, alors c'est la case F6, c'est des cases noires. Ça peut être intéressant pour jouer dans cette position. Alors d'ailleurs, on verra cette manœuvre qui va être provoquée plus tard dans la partie. Donc seulement, le camp de Magnus Carlsen semble avoir très très bien étudié cette ligne avec H3. Tellement bien que Fabiano Caruana va se retrouver en grande difficulté et qu'il ne retirera pas ce coup lors de la troisième partie. Il ne jouera plus les positions avec H3 parce qu'il sent qu'il a un retard de préparation par rapport à ça. Donc après H3, les noirs jouent cavalier F6. C'est vrai que les blancs pourraient jouer E5 par exemple pour chasser ce cavalier en F6, mais ça livrerait les cases blanches D5 et F5. Oui, là on va plus essayer d'avoir le schéma de berlinoise. Oui, bien sûr. Et puis, bon, avec les enfants, souvent, ils aiment bien chasser le cavalier vient en D5, puis après on joue C4 pour chasser le cavalier, mais le cavalier vient en B4, puis on s'aperçoit que le pion D3 va tomber. Voilà. Donc le pion D3 est un pion arriéré, sur la colonne semi-ouverte, on n'a pas les cases blanches, on peut jouer encore fou F5 avec les noirs, donc c'est fini. Donc on ne peut pas réagir d'une manière Par contre, c'est vrai que, oui, un peu pardon trop primaire. de couper Marc, c'est vrai que souvent il y a quand même une thématique pour savoir si les blancs vont réussir le coup E5 dans de bonnes conditions. S'ils y arrivent, ça pourrait être avantageux pour eux. Mais c'est Oui, pas c'est facile à vrai, faire. c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que les noirs sont amenés souvent à jouer eux-mêmes E5, C'est ce qui ça. va essayer de bloquer d'ailleurs on va essayer de bloquer le jeu sur la case noire de l'adversaire. Et
ça va permettre d'assurer encore plus le contrôle de l'avant-poste D4. Voilà, mais on se rend compte que quand même c'est très stratégique et c'est très fin toutes ces nuances parce que par exemple le coup E5 ça bloque totalement le fou G7. Ça peut paraître totalement paradoxal comme coup. Et pour jouer sur case blanche, le coup E5, c'est pas une réussite non plus. Donc on voit que des fois il y a des coups paradoxaux qui peuvent aller aussi contre ce qu'on aurait pu croire. Et c'est pour ça aussi que ces positions sont très intéressantes. Oui. Donc Fabiano Caruana continue par cavalier C3. Et donc une partie s'était jouée 3 ans plus tôt sur cette position entre Fabiano Caruana et Magnus Carlsen. Et Magnus Carlsen avait continué par B6. Là, il va changer. Il a préparé l'autre ligne avec cavalier D7. Donc il prépare la manœuvre de son cavalier vers la case D4. Cavalier D7, cavalier F8, cavalier E6, cavalier D4. Même si on va voir que Il va il changer a d'avis. aussi. Soit il avait changé d'avis, soit il avait préparé une autre idée. Voilà. Oui. Alors bien sûr aussi on peut faire petit roque, hein, c'est un coup important. Ici c'était principalement un choix entre petit roque et cavalier D7. Même s'il avait joué B6 effectivement dans sa victoire, hein, en 2015 c'était une belle victoire de Carlsen contre Caruana avec le coup B6. Oui, on va voir que cette victoire, d'ailleurs, qu'il avait gagnée il y a 3 ans, va influencer le cours des événements de la troisième partie. C'est ça. Donc, ici, cavalier D7, voilà, on prépare la manœuvre. Et Magnus Carlsen ne fait pas petit roque, parce qu'il a des idées aussi de grand roque dans cette position. Alors, les blancs jouent fou E3, hein, ils mettent la pression sur le pion C5. Et les noirs jouent E5. Donc c'est vrai que par contre, comme tu disais que les blancs essayent de jouer sur noir, de mettre le pion sur E5, ça fait assez sens aussi pour lutter sur les cases noires. Oui, bien sûr. Ouais. Et bien sûr, par rapport au plan de cavalier F8, cavalier F6, cavalier D4, ça va très bien ensemble. Voilà. Pardon. On va Donc les peut-être blancs jouent peu. devoir accélérer parce que Oui, les j'ai blancs quand jouent même petit deux roque. parties de Rossolimo à faire. Donc il y a un roque des Ouais. blancs. Oui, mais on va pas voir toute la partie, on va s'arrêter à l'ouverture. Certes. Oui. Donc 5 petits roques. Je vois les coups avec un léger décalage en fait Ah aussi. ok. Hein. Donc B6, on solidifie les cases noires, et cavalier H2. Donc ce coup cavalier H2, c'est donc l'idée de pousser F4. Et puis le cavalier H2 peut donc rebondir en G4 pour tenter d'exploiter les cases noires affaiblies F6 et H6, comme on l'avait dit. De toute façon, avec une telle structure, on n'a pas 36 000 leviers non plus avec les blancs. Soit on essaye de jouer F4, soit on essaye de jouer A3 et B4 pour essayer d'attaquer C5. Jouer D4, c'est beaucoup plus difficile. Les noirs contrôlent très bien cette case. Donc les blancs vont continuer avec le plan assez thématique dans cette position avec cavalier H2. Et les noirs continuent cavalier F8. Le cavalier se dirige donc en E6. Voilà, les blancs jouent F4, comme prévu. On a un échange en F4, donc pion prend F4. Et là, on pourrait s'attendre à fou prend F4, mais c'est tour prend F4 qui est joué parce que Caruana, finalement, si sa tour se fait attaquer, il pourra la replacer non pas en F1, mais en F2, ce qui lui permettra de gagner un temps dans le doublement des tours sur la colonne semi-ouverte F. Et là, Magnus Carlsen a surpris beaucoup de commentateurs qui suivaient l'événement parce qu'il n'a pas joué cavalier E6. Pourtant, la tour en F4 et On puis a toute la manœuvre l'impression de que... cavalier. Oui, on a l'impression que cavalier E6 coule de source ici, parce que le cavalier il est très proche de rejoindre l'avant-poste en D4. Eh bien non, Magnus Carlsen a décidé de jouer fou E6. Je mettais juste en cas de cavalier E6 qui aurait pu se passer, avec le fameux cavalier G4 dont tu parlais tout à l'heure, Marc. Et maintenant, on voit qu'on attaque le pion H6 trois fois et on surveille aussi d'autres cases noires. On La case menace d'autres F6 cases aussi. noires. On menace qu'il y ait des F6 échecs éventuellement. Et on n'a pas peur de fou prend G4, puisque le pion F7 serait alors plus défendu. Oui, Voilà. alors je sais pas si on pourrait carrément faire tour pour F7, Oui, mais je en pense qu'on tout pourrait cas, peut-être faire tour pour F7 et attaquer le fou G7 aussi. intermédiaire. Ça faut vérifier, mais en tout cas, on sait que les noirs n'ont pas forcément envie de se séparer de leur fou, et là, en plus, il a un travail défensif. Alors, fou aussi, c'est vrai que c'était curieux, on pouvait se dire, mais que va faire le cavalier F8 maintenant? Voilà, alors pourquoi il joue fou E6, Magnus Carlsen? Parce qu'il a l'idée dans cette partie aussi de faire grand roque. Et jouer fou E6 va lui permettre de préparer cette idée avec grand roque. Et puis si on a des roques opposés,
Vous connaissez la technique, enfin le principe des rocs opposés, c'est de lancer un assaut de pions contre l'abri du roi adverse. Et il va compter lancer un assaut de pions avec les poussées H6, G5, puis peut-être par la suite G4, attaquer justement, créer les leviers sur les cases blanches, et essayer d'ouvrir la colonne G et la position sur le roi blanc. Ce qu'il va assez bien réussir d'ailleurs dans la partie. Quant au cavalier F8, il trouvera bien d'autres chemins pour se recycler. Bah du coup, si on fait G5, il va probablement pouvoir venir sur G6 où il aura des perspectives. Ouais. Alors les blancs jouent tour F2 et H6, avec l'idée de G5 pour museler le fou E3, et la partie se dirige donc vers les rocs opposés. Dame D2, et donc le coup G5, très bien joué par Magnus Carlsen, il bloque complètement le fou E3 qui n'a plus de perspective. Alors c'est sûr que quand on joue G5, on affaiblit la case faible F5. Mais le seul chemin pour un cavalier pour arriver sur cette case, c'est de passer par la case G3, par exemple cavalier F1 et cavalier G3. Mais le prochain coup de Magnus Carlsen, ça va être de jouer dame D6. Justement, les blancs ont doublé sur la colonne, donc ils ont joué tour F1. Et Magnus Carlsen joue dame D6, il contrôle la case G3. Et les blancs ne peuvent plus utiliser cette case pour faire rebondir leur cavalier en F5. Et puis en plus, dame D6 coordonne parfaitement avec son idée de faire des rocs opposés, puisque maintenant, bah, on pourra faire roc. Donc, j'accélère un Il y petit a peu eu les tour coups. F1, Tour. dame D6, ouais. Voilà. Et Alors, il y a je eu le vois pas G4. sur l'écran encore. Ok, G4, grand roque. Donc toujours d'ailleurs sur fou prend G4, le tour prend F7 qui cette fois-ci fonctionnait. Ouais. Et après grand roque, il y a eu cavalier F6, cavalier D7. Le cavalier F8 ressort finalement. Donc on avait cité l'autre idée à un moment donné de venir sur G6. C'est vrai qu'on voit pas mal de possibilités aussi depuis la case G6. Mais je choisis cavalier D7. Cavalier H5 et fou E5. Voilà, et Carlsen sort de l'ouverture avec un avantage car il jouit de meilleures perspectives de jeu à l'aile roi. Il a vraiment des capacités de levier et d'ouverture du jeu contre le roi blanc. Alors que les blancs, c'est pas, ils ont, leur plan d'évolution n'est pas facile à concevoir. Donc en fait, Magnus Carlsen est sorti vainqueur de cette ouverture. Bon, il n'arrivera pas à concrétiser dans le milieu de jeu, Il était mais. gagnant, il a manqué l'occasion, ça aurait été un coup de tonnerre qu'il gagne avec les noirs la première partie. Caruana a échappé belle, on peut dire quand même. En tout cas, tu as eu cette conception avec grand roque et puis le fou en E6 et l'assaut de pion par H6 G5. Très intéressant. Exact. Donc maintenant, on va voir la troisième partie du match, qui était la deuxième confrontation sur cette sicilienne Rossolimo. Où là, Fabiano Caruana va. Bon, il a été refroidi un petit peu Ouais, par ce qui s'est carrément, passé. c'est moins qu'on puisse Donc, dire. voilà. Donc il a Donc. changé complètement son fusil d'épaule avec son équipe, hein, bien sûr, de secondants. Hein. Ils ont dû se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? De toute façon, on sait que E4, c'est son arme vraiment, vraiment pratiquement unique, enfin préférée, et presque unique. Hein, donc, je ne sais pas s'il a préparé d'autres coups, peut-être que le match nous le dira plus tard. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'on voit du E4. Il a essayé 3 fois, hein, de prendre Carlsen en défaut avec E4. Donc il y a eu la répétition de la première partie jusqu'à fou B5, G6, fou prend C6, D prend C6, D3, fou G7. Et là, il a changé. Alors juste dans le chat, on faisait part du fait qu'il y a eu un petit problème de connexion au ralentissement et puis d'autres personnes disaient qu'il fallait simplement actualiser la page. Oui, donc n'hésitez pas, hein, c'est vrai pour les clubs, si jamais vous avez une connexion qui est un peu vacillante ou aléatoire, vous avez une petite technique qui peut peut-être vous aider, c'est qu'au niveau de la barre de lecture de la vidéo, si vous la faites apparaître, vous avez une petite roue dentée de paramètres, et si vous cliquez dessus, vous pouvez changer la qualité de la vidéo, qui par défaut est à 480. Vous pouvez essayer de la baisser à 360 ou peut-être même 240. La qualité de l'image va légèrement baisser, mais bon, pour un échiquier, c'est pas très grave. Et par contre, ça va fluidifier votre connexion. Voilà, donc on a eu la répétition des coups, donc on est bien au cinquième coup noir, c'est ça, fou G7, Oui. Sylvain. D'accord. Et là, Caruana ne joue plus H3, donc il veut vraiment sortir des préparations de Magnus Carlsen et il décide de faire petit roque immédiatement.
Bon, moi aussi, ça ne s'actualise pas sur Skype. Hein. Je ne vois pas les coûts défiler là. Attends, je vais peut-être essayer de relancer le partage dans ce cas-là. Ouais. Je vais tenter ça. Et ça. Oups. On va voir. Est-ce que c'est bon? Ah oui, t'es repassé. Et je te laisserai aussi toujours essayer de te mettre en haut de ta caméra. Je sais que c'est pas très pratique, mais à cause des icônes de Skype, je vais te recadrer. Vas-y, je te laisse continuer. D'accord, mais je vois toujours pas le texte. Hein. Il y a masterclass Ah dedans. oui, ça, je vais l'enlever par contre. Ah bah, c'est bon. Hop. Voilà. Tu Bah le vois? écoute, Tu le vois? non, bah, je vais le faire avec Oui, bah oui, mon voilà, je l'ai propre pas fichier, hein, modifié. du coup. Ouais. Ouais. Vas-y. D'accord, on a le temps d'ouvrir. Ok. Oui, bah je vais pendant ce temps-là. Donc oui, alors Caruana pensait peut-être, enfin surprendre. Non, parce que c'est difficile, parce qu'évidemment, si Carlsen il a choisi pour ce match de jouer la Sicilienne avec KSC6, il a évidemment étudié à fond avec son équipe la Rosolimo. Et donc c'est difficile de le surprendre. Et la preuve, c'est que c'est encore lui qui a surpris Caruana ici avec le coup dame C7. Il y a un coup très rare. Hein, Oui, ça a été joué une vingtaine de fois seulement et par des joueurs au niveau assez modeste, bien sûr, en comparaison des candidats du championnat du monde. Donc d'habitude on voit juste cavalier F6 qui est un coup très normal. Hein. Oui. Mais ici dame C7. Et Fabiano Caruana joue tour 1. Alors, il peut avoir l'idée justement de jouer E5, le coup que tu disais tout à l'heure, pour essayer d'enfermer le fou G7. Et prendre l'espace. On Voilà. sait que ça peut être souvent relié avec cavalier C3, cavalier E4. Si on arrive à faire ça dans des bonnes conditions, par exemple, imaginons qu'on arrive à faire E5, qu'on soutient le pion avec fou F4, un peu comme dans des schémas de française où on essaie de s'accrocher à notre pion E5, de le surprotéger, la surprotection de Nimzovic. Et si on arrive à amener le cavalier en E4, il y a pas mal d'idées d'ailleurs, il y a eu quelques thèmes récemment avec des belles parties avec cavalier D6 échec quand le roi était encore en E8, par exemple. Oui, parce que si les noirs prennent, ça ouvrirait la colonne. Et Voilà. les noirs, donc, ils n'ont pas du tout intérêt à jouer eux-mêmes E6, bien sûr, puisqu'ils livreraient les cases D6 et F6, et là, c'est la fin. Voilà. Donc, Alors. tour 1 a été joué, et puis Magnus Carlsen, il ne veut pas du tout voir de E5 apparaître, donc Il il le joue. joue E5 lui-même. Donc, si les blancs n'ont pas joué H3, ils n'ont pas le plan avec H3, cavalier H2 et F4. En plus, ils ont mis la tour en E1, elle n'est plus en F1. Et Fabiano Caruana, il a eu la douche froide sur cette idée, donc il ne va pas utiliser ce plan de jeu à l'aile roi. Il va plutôt essayer de préparer un plan de jeu à l'aile dame en jouant A3 et en préparant la poussée B4. Donc l'idée, c'est d'arriver à jouer A3, fou E3, B4 et essayer d'entamer un combat sur les cases noires de l'aile dame. Ici, Magnus Carlsen continue par cavalier F6. On peut toujours avoir la manœuvre, donc cavalier D7, cavalier F8, cavalier E6 et le cavalier en D4 sur l'avant-poste. Et B4, donc on combat tout de suite à l'aile dame. Alors, ici, Magnus Carlsen joue petit roque. Il méprise l'attaque de son pion C5. Oui. Pourquoi fait-il ça? Surtout que Fabiano Caruana va pas prendre. Alors, il y a eu une partie qui s'est jouée donc 3 ans plus tôt, on vous en avait parlé un petit peu avant. Où ça ressemblait un peu, c'est-à-dire Fabiano Caruana jouait cette attaque à l'aile dame, Je vais et montrer ce la qui. partie. Enfin, je vais Ouais. montrer vite fait. Hop. Donc, il y avait eu un schéma qui ressemblait. Il avait fait ce A3, dame B1 pour préparer B4. Il avait envoyé B4, sauf qu'il avait été contré sur l'autre aile, en fait, hein, par F5. Voilà. Et le problème, c'est que le fou est en E3. Pour jouer ce plan avec A3, B4 et fou E3, bah, on est obligé de placer le fou en E3 pour essayer d'avoir de la pression. Et le fou en E3 peut être exposé à la poussée du pion F5 en F4. Et après, on a un assaut de pions un peu dans le style des attaques est-indiennes, pour ceux qui connaissent un peu l'est-indienne, où les pions, il va y avoir une avalanche de pions qui vont arriver sur le roi blanc avec F5, H6, G5, G4 et une attaque directe contre le roi blanc. Et c'est vrai que si dans la partie, si Fabiano Caruana, donc je reviens à la position après B4 petit roque, si Fabiano Caruana prend en C5 et qu'il veut défendre ce pion, il sera bien obligé de jouer à un moment tôt ou tard fou E3, et les noirs vont jouer dans cet esprit de cavalier D7, F5, F4. Et ça a certainement dû marquer Fabiano Caruana, qui a encore ça en tête, cette dure défaite, et donc il n'a pas pris. Il a décidé de jouer un coup un peu plus souple, cavalier BD2.
qui peut lui permettre d'ailleurs plus tard de prendre en C5 avec l'idée de jouer qualité 2 en B3 et de ne pas placer immédiatement le fou en E3. À un moment donné, la prise en C5 peut quand même arriver. Donc c'est un coup un peu plus souple. Le cavalier peut aussi parfois aller en C4 avec fou B2 pour essayer de combiner un peu sur le pion E5. Et ici, Magnus Carlsen n'a pas réussi ses idées dans l'ouverture. Il va plutôt aller sur fou G4. Et puis après H3, il va échanger. Il va y avoir des échanges de pièces et on va quitter en tout cas le stade de l'ouverture dans lequel la partie s'est finie par match nul. En tout cas, les Noirs n'ont rien obtenu Les blancs de normalement. cette. Oui. Voilà. Puis les Blancs, voilà. Plutôt les blancs normalement qui essaient d'obtenir quelque chose, même si c'est vrai qu'à la première partie, c'était les noirs qui avaient eu les meilleures chances. Mais il y a Et. tellement un déficit de préparation, j'ai l'impression, sur cette ouverture, que bon, voilà, c'est Ouais, déjà il a se rassurer essayé. dans cette deuxième partie sur la Rossolimo pour pas resubir la détresse qu'il avait eue dans la première partie. Oui, bon, déjà, c'est sûr que là, il a pas été en difficulté dans cette partie. Mais bon, le problème, c'est qu'il est censé créer quelque chose. Hein. On sait que c'est un format en 12 parties. Il y a 6 fois les blancs. Il a déjà utilisé, après cette partie, 2 fois les blancs. Et maintenant, 3. Il lui reste plus que la moitié de ses occasions avec les blancs pour essayer de battre Carlsen. On sait quand même que battre Carlsen avec les noirs, c'est aussi. C'est vrai, mais Carlsen a ses propres difficultés avec les blancs. C'est vrai. Hein. Les blancs Donc les sont en noirs sont assez difficulté. OK finalement dans ce match. Ils n'ont pas trop de difficultés. Que ce soit les Fabiano, Magnus, Carlsen avec les noirs, ça tient le coup. Voilà, on va peut-être vous montrer très très brièvement la troisième partie, mais c'est pas le même débat théorique. Hein. Donc il y a eu E4, C5, F3, KC6, fou B5, G6. Mais au lieu de prendre en C6, Caron a choisi l'autre coup principal de la position, c'est le roque immédiatement. Fou G7, tour E1. Donc ici on a des idées de nouveau d'essayer de placer un E5. Hein. Souvent on voit une ligne avec cavalier F6, E5, cavalier D5, et ça peut continuer avec de la théorie. Et aussi, on peut le voir avec une préparation de C3, D4. Voilà. Sachant que on n'a pas parlé des autres coups hein, sur fou B5, hein, on ne peut pas parler de tout. On n'a pas un temps. On n'a pas décidé de consacrer toute la masterclass à la Rossolimo, heureusement. Donc d'ailleurs, on a bientôt terminé ce chapitre. On va passer au suivant très bientôt. Mais on pourrait dire quand même que le coup E6, c'est un autre coup important des noirs. Et c'était notamment le choix de Boris Gelfand. Je reviens au match de 2012 entre Anand et Gelfand. Il y avait eu un débat théorique avec E6 et notamment, je crois, une partie avec prise et B3. Voilà, il y avait eu aussi une belle nouveauté, des belles idées qui avaient été démontrées dans cette Rossolimo avec E6. Mais ici, juste, il y a eu tour E1, E5, donc on voit que c'est quand même la stratégie de Carlsen de bloquer à tout prix ce coup E5. Et là, B4, un coup spectaculaire, bon, qui avait déjà été essayé à pas mal de reprises hein, quand même. Hein, donc Carlsen n'a pas été non plus particulièrement surpris. Hein, C'est pas Fischer qui avait instauré ce coup B4 pour la première fois. Ah, je ne sais pas, à vérifier. Si quelqu'un a l'info sur le chat, n'hésitez pas à nous la donner. Donc c'est vrai qu'on ne vous a pas trop mis à contribution sur cette première partie, mais ce sera le cas pour la suite. Donc pour le milieu de jeu et pour la finale. Voilà, et puis donc il y a eu une belle empoignade, avec des suites assez complexes, comme vous voyez, avec A6, A3, avec les pièces en prise. Donc c'était joué simplement hier, hein, cette partie. Donc on l'a récupéré aujourd'hui. Et puis on vous l'a rajouté simplement comme ça pour l'information dans le fichier. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur la Rossolimo. C'est le Alors, il moment. y a une question d'un club d'échecs qui nous demande au niveau de club, est-ce que cette ouverture est à conseiller et à quel niveau et à quel type de joueur? Oui, c'est une très bonne ouverture, ça donne un développement rapide, hein. On voit qu'on peut tout de suite faire le petit roque, et puis on a un jeu assez intéressant au niveau stratégique. Alors c'est pas facile à manier au niveau de toutes les idées stratégiques, mais l'adversaire non plus, finalement, n'aura pas les facilités stratégiques à comprendre la position. Donc c'est tout à fait jouable, il y a des plans assez faciles à comprendre, hein. On a vu hein, les deux grands plans au niveau de G6, les deux grands plans des blancs, hein. Donc Caruana, il a fait les deux, hein, dans la première et dans la troisième. Donc soit le plan à l'aile roi avec F4, soit le plan à l'aile dame avec A3, B4. Donc déjà, on a deux plans en tête, c'est pas mal,
On peut faire celui qu'on préfère ou voilà. Donc oui, tout à fait. Et il y a Tia qui nous dit avec B4 ça rappelle un peu le Gambit de l'aile. Exact, Gambit de l'aile qui arrive au début de partie avec B4 tout de suite. Et Caruana, il a attendu un peu pour placer son Gambit de l'aile. Il a quand même d'abord développé deux pièces et roqué. Donc on peut dire une version bien améliorée du Gambit de l'aile. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas. Hein, si vous avez des questions, je vais faire le changement de chapitre. Je vais changer le nom du chapitre à l'écran. Donc voilà, on a un peu modifié la configuration très légèrement. On va vous montrer le récap aussi. Donc maintenant, depuis la dernière fois, vous avez un peu l'habitude. À la fin de chaque chapitre, on vous fait un récapitulatif des choses à retenir. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours aussi là-dessus. Donc je vais modifier le titre, mais d'abord le récap. Hop. Voilà. Voilà le récap de la Rossolimo, donc assez large, avec donc cette fameuse possibilité de déséquilibrer le rapport matériel ainsi que la structure. Donc on sait que Carlsen il aime bien hein, faire ça. C'est pour ça que par exemple qu'il jouait à la Trompowski aussi de temps en temps. Ça donne des milieux-jeux très riches. C'est vrai qu'il est souvent un peu Positionnellement. supérieur à ses adversaires au niveau de la compréhension des milieux de jeu avec des idées compliquées et des déséquilibres. Même si on peut dire que avec Caruana ils sont vraiment très proches là et puis ils ont fait 5 parties nulles pour l'instant. Peut-être bientôt 6. Mais il aime bien ce type de position. Bah, c'est pas pour rien aussi qu'il maîtrise très bien la défense de Berlin. Donc l'échange fou prend C6, ça crée un déséquilibre au niveau du contrôle des couleurs. Donc c'est Marc en avait déjà parlé à la première masterclass. Donc c'est vrai que dès qu'on a en tête le rapport entre les pièces mineures qui restent sur l'échiquier et le jeu de couleurs, ça nous guide pour le milieu de jeu. Donc c'est C'est important. vrai qu'on a tendance à s'intéresser aux jeux de couleurs dans des positions avec peu de pièces légères, par exemple quand il y a des fous de couleur opposées ou quand il y a le fou contre le cavalier. Mais en fait, dès le premier échange de pièces légères, il y a déjà des supériorités qui peuvent se créer dans le jeu de couleurs. Et donc, il faut le garder à l'esprit parce que chaque échange asymétrique enfin, chaque échange, pardon, qui continue peut accroître ces différences. Et à un moment donné, ça peut devenir ingérable pour un joueur. Donc par rapport à la gestion de la structure de pion, c'est important de ne pas s'affaiblir sur la couleur forte de l'adversaire. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce récap. Marc, je ne sais pas si jamais tu voulais rajouter quelque chose sur la Rossolimo. On peut Non, bah, je pense qu'on est... peut-être, puisque ça me vient en tête, préciser que c'était un joueur français, Nicolas Rossolimo, qui avait été qui avait développé cette attaque Rossolimo. Ah, je crois que c'est un Américain, Marco Solimo. Alors peut-être que. Est-ce qu'il a été Peut-être qu'il a naturalisé émigré. après? Je ne sais pas, c'est pas impossible. Ou alors il y a un autre joueur qui ressemble, dont le nom ressemble. Alors on revient à notre page principale et on change de Oui. chapitre. Franco-américain, le grand maître Ah Rossolimo. ben voilà, Match parfait. nul. Voilà, pas de vainqueur. Donc milieu de jeu. Maintenant. Voilà, donc, on a même l'entête milieu de jeu. Alors, j'ai sélectionné le thème de l'avant-poste absolu pour ce milieu de jeu aujourd'hui. Donc, on va avoir pas mal de positions, mais avant, je voulais revenir sur la définition. Parce que d'ailleurs, peut-être que ça a un peu chatouillé vos oreilles quand j'ai dit avant-poste absolu. C'est vrai que c'est pas un terme qu'on utilise beaucoup dans la littérature échiquéenne, hein, Donc, à l'origine d'ailleurs de ce terme. Des petits échanges que j'ai eus avec l'entraîneur et maître feed Xavier Bédouin, qui se posait aussi la question de la définition du terme avant-poste, qui prête à confusion. Et donc il avait remarqué que c'était Nimzovitch en fait qui avait un peu semé la confusion. Donc si vous avez des doléances, il faut les adresser à Nimzovitch. Voilà, c'est un peu de sa faute. Et du coup, dans la littérature russe, l'avant-poste, c'est ça.
ce type d'avant-poste en fait. Par exemple, dans la Sicilienne Rossolimo, qu'est-ce que je dis? Rossolimo, voilà, la fatigue est là, la fatigue est là. Non, dans l'étau de Maroxi, de la Sicilienne, donc c'est la structure de Maroxi, si on place un cavalier sur D5, c'est intéressant parce que si jamais à un moment donné les noirs font E6, ils vont se créer un pion arriéré en D6. Donc ça, je crois que c'est l'école soviétique qui utilise le mot avant-poste pour ce type de configuration. Oui, alors dans ce type de configuration, l'avant-poste est surtout intéressante à exploiter par un cavalier. Voilà, bien sûr, on cherche à placer principalement un cavalier sur D5. Bah c'est vrai que c'est pas facile de placer un fou ou une autre pièce. Bon, c'est plus rare avec une autre pièce, c'est sûr. Le Donc cavalier voilà en pour D5 le... va rayonner dans le camp adverse. Voilà pour l'avant-poste russe, on va dire. Mais c'est un peu piégeux parce que aussi très souvent en français, on utilise le mot avant-poste pour d'autres choses qui sont notamment la case forte, tout simplement. En fait, on l'utilise énormément comme un synonyme. Et ça peut prêter à confusion. Donc par exemple, j'ai refait une structure de Sicilienne, cette fois la Sicilienne Najdorf ou Sicilienne Svechnikov d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure, avec la fameuse case D5, case forte. Qu'on appelle souvent aussi dans les clubs un avant-poste. Donc je sais pas Ou d'ailleurs, une mais... case faible. Oui, ou une case faible. Bon, encore case forte, case faible, bon, on peut dire que On ça va comprend. ensemble, c'est selon le camp dont on parle. Mais avant-poste, c'est encore autre chose. Et je sais pas si par exemple Silman n'utilise pas aussi le terme avant-poste pour les cavaliers. Donc ça, c'est en synonyme de case forte. Donc c'est plutôt ce terme-là qu'on va utiliser. Ce soir, alors je continue mon petit tour d'horizon rapidement. Donc ici, c'est un cas particulier, c'est sur une colonne ouverte. Et ça change quelque chose. C'est-à-dire que maintenant, si les blanches jouent tour D5, ils placent leur tour sur l'avant-poste, donc sur la case forte. La différence, c'est que comme la colonne est ouverte, si les noirs prennent, ils vont reprendre et créer un pion passé. Voilà la particularité d'un avant-poste sur une colonne ouverte. Donc ça va créer un pion passé. Donc c'est très intéressant en fait. Et justement, il y a une lutte souvent entre savoir quel est le premier joueur dans cette situation par exemple qui va réussir à mettre sa pièce sur l'avant-poste. Si c'est au noir de jouer, ils auraient tendance à jouer tour D4 pour devancer les blancs. Et c'est eux qui pourraient créer un pion passé en cas de tour prend. On voit que c'est un coup très fort puisqu'ils préparaient le doublement qui pourrait gagner la colonne. Donc ça, en quelque sorte, ça forcerait l'apparition d'un pion passé. Voilà. Et alors, on arrive finalement, après ces trois positions d'introduction de l'avant-poste, des différents types d'avant-poste qu'on peut trouver, à l'avant-poste absolu, que j'ai appelé absolu. Alors, je ne sais plus si c'était Xavier qui avait l'idée en premier, ou voilà, on a discuté ensemble. Et c'est vrai que j'aime bien cette idée d'avant-poste absolu, parce que c'est... Donc, il y a deux pions qui protège la case. Voilà. Et donc l'avantage encore plus grand si jamais on utilise la case pour mettre une pièce, comme par exemple la tour dans cette position, et que l'adversaire la capture. Donc on va créer de nouveau un pion passé, mais cette fois ça va pas être un simple pion passé, ça va être un pion passé protégé. Et ça c'est pratiquement le plus fort type de pion passé qu'on trouve aux échecs, puisque... non seulement le pion est passé, donc ça, d'accord, mais en plus il est protégé par un de ses collègues, et ça veut dire que c'est très dur pour l'adversaire de s'en débarrasser. Voilà, donc par exemple, c'est notamment puissant dans les finales de pion, mais aussi dans toutes les finales en général. Oui, dans les finales de roi, ça va obliger le roi qui subit le pion passé protégé à être fixé autour de ce pion sans pouvoir Le prendre, l'attaquer. ouais. Et le roi blanc, lui, il a une liberté plus importante pour aller guerroyer ailleurs. Alors il y avait une question du club de Ecker Dreville par rapport à la position d'avant où le pion était passé mais isolé, effectivement, et demandait si c'était si fort que ça. Bien souvent c'est la question, est-ce que c'est plutôt le côté isolé qui prend le dessus, c'est-à-dire qu'il serait plutôt faible, ou alors que c'est plutôt le côté pion passé qui prend le dessus. Donc ça va dépendre des positions. Des fois ça va vraiment être un pion passé très intéressant, très fort, qui va pouvoir donner un avantage. Et puis d'autres fois, il va juste se faire encercler et peut-être se faire capturer. Donc, pas facile de savoir si c'est fort ou faible, ça va dépendre du contexte. Par contre, là, vous voyez la force de l'avant-poste absolue. Si on a deux pions, si on protège donc, je rappelle que l'idée c'est de protéger une case forte, donc
J'avais pas redit, mais une case forte, c'est une case qui ne peut pas être attaquée par un pion de l'adversaire. Hein. Donc là, on voit qu'il n'y a aucun pion noir qui peut viser cette case en D5. Et donc de l'utiliser pour placer une pièce. Et en cas de capture, on va pouvoir créer un pion passé protégé. Voilà, c'est le thème de milieu de jeu que je vous ai sélectionné. Donc on va commencer tout de suite avec une partie du maître, on peut dire, parce que c'est Botvinnik, donc qui a été champion du monde à plusieurs reprises. Le pionnier aussi de l'école soviétique, disons, de la fin du XXe siècle, hein, puisque Botvinnik, il a aidé à former Kasparov, Karpov et beaucoup d'autres joueurs de premier plan. Donc il avait les noirs dans une partie contre Lioublinski en 1943. Alors on ne va pas regarder le début de partie, on va aller directement au coup 22. Donc ça jouait aux échecs en 1943. Effectivement, j'imagine que ça jouait moins. Mais un tournoi en Russie, à Moscou en 43. Voilà. Ça, tout ne s'arrêtait pas, apparemment. Donc, on est au coup 22. Les Noirs viennent de mettre leur tour en D8 sur la colonne ouverte. Très normal. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est assez curieux parce que le fou ne peut pas bouger. Et il est bien gêné par ses pions. Alors, Lioublinski décide de jouer cavalier E2. Donc il a éventuellement l'idée de faire cavalier C3 pour venir sur D5. Mais D5 n'est Oui, pas mais un moi je avant-poste. dirais dans cette position que les blancs, ils ont deux pièces légères pour attaquer les cases noires. Et le pion C5, qui est un pion isolé, est situé sur une case noire. Et c'est vrai qu'on peut estimer, on peut planifier l'évolution de cavalier C3, cavalier A4, et même peut-être mettre une dame à un moment donné en F2 ou en A3. Et le pion C5 ne peut pas être défendu, puisque le fou A6 de case blanche ne peut pas soutenir ce pion C5. Voilà, c'est Donc il y a un d'ailleurs vrai danger positionnel sur le jeu de couleurs dans cette position. c'est exactement ce qui risque de se passer. Donc c'est un fort plan pour les blancs. Donc les noirs doivent s'occuper de ça. Donc il a anticipé ce problème et dès à présent, il a trouvé un plan pour justement contrecarrer ce plan que tu as cité, Marc. Donc allez, question pour vous, pour la première question de la soirée. On va essayer de vous en poser quelques-unes. Ça va être l'occasion de voir aussi le délai hein, de réponse. Donc, qu'est-ce que vous auriez envie de faire avec les noirs? Vous êtes à la place de Botvinnik, voilà, champion, le futur champion du monde, parce que ce sera 5 ans plus tard qu'il deviendra champion du monde en 1948. Votre adversaire vous embête hein, parce que il a établi deux murs sur case blanche là, donc le fou de case blanche est à la peine. Hein. Ça fait penser un peu à ce qu'on avait dit sur la Rossolimo. Donc il y avait le petit mur de Caruana, mais là c'est double mur des blancs. Donc le fou de case blanche a du mal à s'exprimer. Et puis le fou de case noire, n'en parlons pas. Donc Botvinnik semble en difficulté. Donc vous avez les noirs, vous devez essayer de trouver quelque chose. Allez, c'est à vous de jouer. Donc si jamais vous regardez cette vidéo en différé, n'hésitez pas à mettre la pause et à utiliser le temps dont vous avez besoin pour essayer de d'imaginer un plan pour les noirs. Alors l'échiquier castré parle de C6 paraît sympa. Alors on peut jouer C6, mais il nous faut un plan correspondant. Il y a beaucoup de C6 qui sont proposés dans le chat. Bon, c'est vrai qu'avec C6, on va contrôler la case D5, donc déjà, on interdira la possibilité d'un cavalier en D5. Mais le plan des blancs, c'est vraiment pas forcément d'aller en D5, c'est d'aller en A4, puis de mettre la dame en F2 et de gagner le pion C5 qui ne pourra pas être défendu. Alors, il y a le coup A4 qui est proposé. Effectivement, c'est un coup d'attaque de minorité qui pourrait être intéressant pour essayer de fragiliser le mur des trois pions blancs de ce côté-là. Donc, on pourrait le tenter. Après, je suis pas sûr que ça stoppe le plan des blancs. Je pense qu'il pourrait jouer peut-être un coup comme tour AB1 ou tout simplement dame C2. Et ensuite, continuer le fameux plan pour harceler le pion C5. Tour B4 a été proposé. Je pense qu'on va se heurter à fou D2. On risque de perdre le pion. Fou C7. Alors ça c'est l'échiquier castré qui propose donc C6 fou C7 pour contrôler l'avant-poste. Alors cela dit, on contrôle très bien l'avant-poste pour l'instant. Donc effectivement, c'est bien d'identifier l'avant-poste absolu en D4.
Alors que ça propose du C6 fou C8 F5. Recherche de contre-jeu sur l'aile roi. Mais je sais pas si ça va être assez fort pour compenser la perte du pion C5. Et assez rapide, parce qu'on voit que les pièces noires sont quand même plutôt positionnées de l'autre côté. Oui, elles sont plutôt sur l'aile dame. Donc pour faire une attaque sur l'aile roi, ça prend Et du temps. puis la pression risque d'aller voilà, beaucoup plus rapidement à l'aile dame. Et puis si on arrive à s'emparer du pion C5, on va aussi créer tout un tas d'échanges. Et ça va finalement désamorcer l'attaque sur le roi blanc, ou la Donc tentative le d'attaque sur club le roi blanc. d'Altorf propose aussi A4. Alors j'ai envie de demander au module ce qu'il pense du coup A4, parce que je ne l'avais Oui, pas parce qu'à 4, ça va dans le bon sens, hein. mis dans Ouais, mon dans le analyse. bon sens stratégique. Alors il n'est pas content du tout, parce qu'il dit qu'il y a cavalier C3. Ah oui, je comprends. En fait, on attaque le pion et il y a cavalier D5 qui arrive. Par exemple, si on prend, place cavalier D5 intermédiaire, la dame s'en va quelque part et on prend. On attaque le fou en intermédiaire. On a réussi à placer le cavalier sur D5. Et le problème, c'est qu'on va jouer le fou, mais il y a fou G5 qui va arriver sur nous. Ça va faire très très mal parce qu'il va y avoir du contrôle sur la case F6. Et sur les cases noires. Et on a deux pièces pour jouer sur les cases noires. Contre une seule. Donc ça, c'est un peu problématique. C'était un coup thématique, mais il se heurte quand même à KC3 apparemment. Voilà, comme l'avait signalé le club de Florival Échecs. Alors, vous n'avez pas tellement cité le plan de Botvinnik qu'on va dévoiler maintenant, mais les plus proches, c'était quand même le club de Castres. L'échiquier castré, qui était très proche de trouver la réponse, il leur manquait plus que le dernier élément. Alors, voyons comment Botvinnik a procédé. Il a joué C6, donc cavalier C3, bien sûr, et donc la menace, c'est clairement celle qui avait été donnée par Marc tout à l'heure, cavalier A4, dame en arrière quelque part sur la deuxième rangée, puis dame F2 et gagne le pion C5. A noter qu'il y aura encore deux pions isolés après côté noir sur l'île dame. Donc fou C7 joué par Botvinnik attaque la dame. La dame se replie. Et le fameux coup qui va utiliser l'avant-poste. Alors c'est une conception stratégique. Pas forcément évidente, hein. C'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit quand on débute les échecs. C'est placer la tour en prise. Voilà. Et c'est un peu le thème que je voulais vous montrer ce soir au niveau du milieu de jeu. C'est le fait qu'on peut que l'avant-poste absolu, donc contrôlé par deux pions sur une colonne ouverte, c'est tellement fort qu'on peut carrément sacrifier la qualité assez souvent. Pour utiliser cet avant-poste de la meilleure façon possible. Donc, en vérité, des joueurs expérimentés au niveau positionnel, au niveau de la compréhension des milieux de partie, vont jouer ce coup automatiquement. Ça va leur venir tout de suite en tête. Donc, je ne sais pas si ça vous surprend, mais voilà, c'est un coup positionnel tellement, tellement fort que ça devient naturel. Donc effectivement, l'idée, si fou prend, on peut dire que le fou E3 était une très bonne pièce chez les blancs. Bien sûr, c'était le bon fou, il était gêné par aucun des pions blancs. Donc déjà, on va récupérer une très bonne pièce. On avait dit que les blancs pouvaient jouer sur case noire. Donc si on prend le fou de case noire, évidemment, on va beaucoup réduire ce jeu sur les cases noires. Et puis on pourra lutter avec un fou contre un cavalier sur les cases noires. Donc tour D4, c'est avantageux en cas de prise. Les blancs n'ont pas jugé bon de prendre. Donc on peut montrer, hein, par exemple, fou prend, c prend, cavalier A4, pion C5. Voilà, le résultat, c'est que les noirs ont un pion passé protégé en D4. Ils ont la paire de fous maintenant sans opposant, hein, donc on va pouvoir jouer sur une couleur ou sur l'autre, notamment sur les cases blanches si on y arrive. Et on a maintenant pris carrément l'espace avec les noirs. Donc beaucoup d'avantages. Même si on va voir que les blancs ont un plan intéressant à base de cavalier B2, cavalier D3 pour faire un cavalier bloqueur qui sera très utile dans cette position très bien placée. Et le jeu est plutôt équilibré et même, on pourrait dire, légèrement avantageux pour les blancs. Mais par contre, il n'y a pas de colonne ouverte pour essayer de faire jouer les tours. Oui, normalement quand on a une qualité de plus, on cherche à ouvrir des colonnes. C'est une thématique qu'on va revoir dans d'autres parties. Et là, c'est un peu délicat parce que j'aime bien ce côté paradoxal, c'est-à-dire que on pourrait se dire je veux bien ouvrir des colonnes
pour mes tours, mais je risque d'ouvrir la position. Et il y a une paire de Je. fous en face de moi. Ça serait assez terrible d'ouvrir la position pour la paire de fous. En ouvrant les colonnes, tu ouvres les diagonales. Oui, l'un ne va pas sans l'autre. Donc ça risque d'être assez terrible. Par exemple, si on se dit je veux faire F4 pour ouvrir des colonnes, d'accord, mais ça va ouvrir toutes les diagonales sur le roque blanc. Donc on risque de se faire mater si on essaie de faire F4. Et puis B4, c'est très dur à faire dans cette position. Imaginons que le fou vienne sur D6. On aura quand même les pires difficultés à jouer B4. Et puis ça va fragiliser beaucoup le pion C4. Donc position très intéressante. Je suis même pas tellement convaincu que les blancs ont forcément un avantage ici en vérité. Donc dans la partie, il a pas pris, il a fait cavalier E2. Il y a eu fou C8. Donc bien sûr, Bodvinick n'a aucune raison de bouger cette tour. Il l'avait mise là volontairement. Et ce qu'il veut, c'est que les blancs prennent à un moment donné cette tour pour créer un. Et il va refaire sa structure aussi, on l'avait pas dit, mais bien sûr, il refait sa structure qui était assez délabrée sur l'aile dame avec deux pions double isolés et un pion isolé. Donc il y a eu cavalier prend D4. Il a choisi de prendre du cavalier. Il voulait garder son fou de case noire. Il a fait fou F2 parce qu'il voulait venir sur G3. Il y a eu C5. Voilà. Conclusion. Après ces trois coups qui ont été joués à partir de tour D4, les noirs ne craignent plus rien. On a vu qu'ils étaient en grand danger au départ. À partir de là, après cavalier E2, on se disait la position est périlleuse pour Botvinnik. Mais grâce à son coup tour D4, il a complètement égalisé et maintenant même c'est lui qui va jouer pour la victoire. Donc il y a eu tour F1, F5. Bon, je veux juste faire défiler la partie. Donc il a joué F4, G5, donc il va préparer tranquillement son assaut de pions avec G4. Et ça va être dangereux pour le roi blanc. Les Cette bleus. fois-ci, le plan qui avait été donné avec fou C8 et F5 peut arriver parce que les blancs n'avaient plus aucun jeu de l'autre côté. Donc on a le temps de construire notre assaut de pions. Exactement. Donc il y a eu G4 qui était pas très bon, mais il a eu peur de subir l'attaque. Donc il y a eu prise en passant qui ouvre la position sur le roi blanc. Fou prend. Fou H3. F2, H5. Donc, Botvinnik maintenant qui a complètement l'initiative et qui va déclencher une attaque très forte sur le pauvre roi blanc. Fou D8, il protège solidement. Voilà, et puis il passe juste sa dame ici et c'est terminé. Les noirs vont pousser G4 et ce sera fini pour les blancs. Donc, il y a eu fou E3. Il a tenté un coup de tactique en fait. Hein, donc, avec l'idée pion prend, tour prend. Mais ça n'a pas marché, il y a juste eu dame prend F3 échec, dame prend, tour prend, et puis maintenant il se retrouve cloué. Donc c'est vrai que quand on est en mauvaise position, on subit souvent les tactiques. Puis ce coup de tour D4 qui a été joué, il a une valeur, bien sûr, au niveau échiquienne. C'est vrai que ça, en cas de prise, ça améliore la structure de pions. Et ça règle tous les problèmes parce que les blancs étaient en train de créer, de gagner positionnellement. Ils avaient leur plan et puis les noirs pouvaient plus lutter. Mais ce coup de tour D4 a aussi un impact fort psychologique. Parce que Exact. l'adversaire, d'un seul coup, voilà, il Ça se rend fait compte mal. que. Ouais. Ouais. Tu dis tous mes plans tombent à l'eau. Voilà, j'avais un plan clair, une ligne de gain claire pour gagner le pion C5. Et là, d'un seul coup, toutes les cartes sont redistribuées. Il y a aussi un impact psychologique parce qu'il ne l'avait peut-être pas anticipé, C'est vrai ce qu'il a coup de tour retourné D4. la position non seulement techniquement, mais aussi psychologiquement. Et c'est ça qui fait qu'après, je pense qu'il n'a pas hésité à jouer pour le gain en vérité. Alors que la position objectivement était plutôt équilibrée, mais plus facile à jouer pour les noirs, et d'autant plus s'il a pris l'ascendant psychologique. Voilà, alors on continue, je vous ai préparé quelques autres exemples. Donc, bon, je ne sais pas combien on pourra en voir, on va voir quelques-uns. Donc, on va voir Paco Valero, hein, donc un des plus forts joueurs espagnols, et même le plus fort joueur espagnol actuel toujours, je pense. Donc, il a les pièces blanches, donc c'est une finale à 6 pions contre 6. Je vais juste montrer rapidement l'enchaînement. Il fait cavalier A5, attaque le pion. La tour a dû quitter la colonne pour défendre le pion. Il y a eu G3 qui coupe les oreilles du cavalier. Donc, fou G7, A4, A6, tour E2. Bon, il aurait pu faire tour D1 également. Et les noirs ont joué fou F8, qui n'était pas un très bon coup. Les blancs prennent la colonne. Fou E7. En fait, les noirs se sont dit les blancs peuvent pas s'infiltrer sur la colonne. Ce qui, effectivement, a l'air vrai. Mais les blancs ont joué C5. Et après, roi F8. Bien sûr. Je vous laisse deviner le coup des blancs. Donc, Valero a les pièces blanches. Et il essaie de progresser ici.
On sait que souvent, aux échecs, pour progresser, il faut s'infiltrer chez l'adversaire. Malheureusement, ici, on voit que notre tour ne peut pas s'infiltrer par ici, puisque les noirs contrôlent toutes ces cases avec des pièces ou des pions. Donc on pourrait se dire, que faire? Ah ben voilà. En une seule position, tout le monde a compris maintenant l'avant-poste absolu. Donc ça me fait plaisir. Donc tout le monde a trouvé le coup sur le chat. Il y a au moins 7 bonnes réponses. Bravo à tous. Bon, c'est vrai que quand on a vu l'exemple précédent, c'est plus facile. Ça aurait été curieux de voir sans l'exemple précédent ce que ça aurait donné. Peut-être que vous auriez trouvé quand même. En tout cas, bravo. Donc tour D6, il a joué. Donc il attaque la faiblesse en C6. Les noirs Oui, n'ont pas le voilà, parce choix. qu'il y a eu Cadet C4 aussi proposé dans le chat, mais l'idée c'est d'attaquer C6, et le Cadet en A5 presse C6, et quand vous jouez tour D6, vous obligez l'adversaire à accepter votre sacrifice, sinon vous perdez le pion C6. Effectivement, on pourrait se rendre sur l'avant-poste absolu avec un cavalier, c'est aussi une très bonne idée, hein. D'ailleurs, là, on fait des exemples où c'est la tour qui se sacrifie, mais bien sûr, c'est très très bon de mettre un cavalier ou éventuellement un fou sur une case d'avant-poste absolu, hein. C'est très intéressant. Donc d'ailleurs, dans les exemples que j'ai sélectionnés, ça arrive aussi régulièrement. Donc là, mais tour D6, c'est très concret, c'est-à-dire qu'on force l'adversaire à prendre parce que sinon on gagne le pion C6, et si on gagne le pion C6, on gagne la partie. Donc fou prend, obligé, E prend. Tour recule, pas le choix, pas trop le choix. Et là, il enchaîne immédiatement avec B5 et il gagne. Voilà. Donc il y a eu A prend B, A prend B, Roi E8. Bon, l'idée sur pion prend B5, c'était de pousser C6 et on a deux pions passés liés à deux cases de la promotion et les noirs ne peuvent plus survivre contre ça. Voilà, on se rend compte par exemple qu'en cas de Roi E8, il y aura déjà D7 échec fourchette avec le pion. Alors que l'on salue le club de Maubeuge, qui vient de nous rejoindre. Donc il y a eu Roi E8 dans la partie, puis il y a eu B prend, et regardez le bloc de pions passé blanc. Il a essayé de survivre avec cavalier F8, hein, où il aimerait bien sacrifier en cas de D7, mais Valero va plutôt menacer d'échanger le cavalier. Donc, bon, il a tenté de le mettre sur D7, mais après pion prend, roi prend, cavalier B3 protège le pion. Il y a eu encore H5, Roi D3, et les Noirs ont préféré abandonner. Voilà, donc brillante victoire de Valero. On continue. Alors, un exemple plus compliqué, c'est Kamsky, donc qui a été vice-champion du monde, qui jouait contre Romanov. Donc, je vais juste montrer la réponse cette fois-ci. Je vous ferai chercher peut-être un autre coup tout à l'heure. Pas d'avant-poste absolu pour l'instant, mais il va le créer. Alors, il va le créer de manière très intéressante et très entreprenante, puisqu'il va sacrifier la qualité sur E4. Tour prend E4. Donc, pion prend E4. À noter qu'il aurait pu aussi essayer le coup cavalier C4. Intéressant, puisque si les noirs prennent, on prend le fou et on gagne le pion C4. C'était une autre possibilité pour se rendre sur l'avant-poste en D6. C'est intéressant. Mais là, je vais tour prend E4, sacrifice de qualité. Pion prend F5. Même l'ordinateur, hein, met un peu de temps avant de comprendre la conception de Kamsky. De comprendre que ici les blancs prennent un net avantage. Et que ça va être très très dur pour les noirs de jouer cette partie. Donc il y a beaucoup de pions avancés qui contrôlent beaucoup de cases et qui sont très durs à enlever. D'ailleurs, il va essayer dans la partie mais sans succès. Alors il commence par tour F8, il en attaque un, mais il défend tranquillement avec la tour. Il aurait pu aussi éventuellement avec le cavalier. Il y a eu E3. Essaye de trouver du contre-jeu avec son pion passé. Ça répond, c'est un peu la thématique de tout à l'heure. Est-ce que ce pion va être fort ou faible? Alors, il amène son roi. E2 échec. Donc, petit piège. Petit piège, en cas de roi prend E2, on pourrait se dire, je vois pas le problème. Si tu pousses F6, je crée un pion passé protégé. Ben, il y a une petite tactique cachée dans la position, c'est fou prend E5. C'est joli. En cas de fou prend E5, il y a F6. On joue sur le clouage. Et puis, en cas de tour prend E5, il y aurait tour prend E5. Fou prend E5, tour E8, cavalier C4, F6. Et on reperdrait la pièce. Voilà, donc petit piège, mais Kamsky, bien sûr, ne tombe pas dans ce piège. Il fait roi E1 tranquillement. Et les noirs se sentent acculés, hein, en fait, ici. Hein. Ils savent pas comment jouer avec leurs pièces. Hein. Leurs pièces sont un peu à la peine. Et donc, ils tentent d'ouvrir des colonnes, ce qui est une stratégie logique quand on a une qualité de plus. C'est une stratégie capitale normalement. Mais ça va se retourner contre eux. Cavalier C4, pion prend,
Donc ils ouvrent la colonne B pour la tour, hein, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas vraiment l'utiliser. Puis finalement, il donne un pion passé. Oui, exact. Donc tour EC8, et prend tranquillement en E2, et les blancs sont gagnants. Voilà. Donc on va juste voir la fin de la partie. Il y a eu fou F8, B4, tour C7, roi D3, tour E8. Et regardez, il va d'abord utiliser l'avant-poste absolu pour son cavalier. En lui disant, ben vas-y, si tu veux prendre, il n'y a pas de problème. Mais moi, je reprends du pion E, et je crée deux pions passés liés, un peu comme ceux de la partie de Valero, la partie précédente. Donc les noirs se disent, je ne vais pas prendre ce cavalier, je vais tour B8. Cavalier E4. Fou E7. Et ici, Kamsky utilise, à la manière de Valero dans la partie d'avant, son avant-poste absolu pour sa tour. Encore une fois. Voilà, c'est le plus efficace pour progresser. Il attaque les pions, un peu comme dans la partie d'avant. Et après, fou prend D6. Il joue E prend D6. Et il a gagné assez facilement cette finale. À noter qu'il a deux qualités de moins, hein, parce qu'on se souvient qu'il a sacrifié la qualité au départ par tour prend E4. Et resacrifie la qualité ici, donc il joue une finale avec deux qualités de moins, mais deux pions passés liés. Et il n'a pas eu de problème à Et une convertir. coordination de pièces plus forte parce que le Magnifique. roi est mieux centralisé, le cavalier et le fou collaborent très bien. Donc, Tout est centralisé. Il a accompagné avec son fou, avec ses trois pièces, hein, il a accompagné ses pions, quoi. Donc c'était impossible pour les noirs de lutter. On voit comment les tours sont à la peine ici. Voilà. une très jolie partie que je connaissais pas. On a parlé brièvement en introduction du championnat du monde des jeunes qui avait lieu en Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Un des joueurs de l'équipe de France a joué cette partie. Il avait les noirs, c'est Noam Patol, c'est le champion de France des moins de 12 ans. Donc il était opposé à un joueur polonais, donc Jan Klimkowski. Donc c'était joué ben, cette semaine, hein. Là c'est tout frais, hein. Ça date d'il y a 3 jours. Donc c'était sur ce thème de l'avant-poste absolu. Donc il y a eu Dame F3, Cavalier G7, Fou B3, C6, C4. Les blancs aimeraient bien poursuivre. Donc on va juste faire Cavalier F5, Fou F2, D4. Bon, il y a des complications. On va pas analyser les complications. On va juste atteindre la position intéressante. Il y a eu Tour AC1 protège le pion. Tour AD8. Cavalier C4. Et il veut venir sur la case D6. Sachant que sur Dame prend C5, il y a Cavalier D6, attaque la tour, attaque la dame. Fou E6. Et finalement, le cavalier atterrit sur l'avant-poste. Vous aurez noté que ce n'est pas encore un avant-poste absolu car la colonne n'est pas encore ouverte. Mais on remarque quand même de grandes similitudes. Bien sûr, les noirs n'ont pas envie de prendre en D6. Si après C prend D6. Ils perdraient le pion D4 et ils auraient une position très difficile. Donc ils ont essayé de tolérer la présence de ce cavalier avec tour F8. Il y a eu tour CD1, dame D7. Et là, un choix curieux du joueur polonais, il prend un F5. Pardon. Il prend un F5. D'habitude, quand on a un cavalier sur un tel avant-poste, on préfère le garder. Donc c'est assez surprenant qu'il fasse ça. On aurait pu s'attendre plutôt à fou prend D4 par exemple. Mais il prend. Prise et fait tour prend D4. Il gagne un pion. Dame C7. Et il vient sur l'avant-poste absolu avec sa tour. Tour F8, je vais vous montrer le moment clé de la partie. Il y a eu tour D1. Donc on avait dit que souvent quand on venait sur un avant-poste, on pouvait en profiter pour doubler. Donc là c'est ce qui se passe. Et les noirs tentent de repousser la tour avec fou F8. Les blancs jouent G4. Attaquent le fou repart, échange de fou et pion prend. Maintenant question pour vous. Vous avez les blancs. Que faites-vous? Alors qu'on salue Gilles, Christophe. Alors, F5 est proposé. C'est un coup très direct. Peut-être un peu trop direct. Alors qu'il y a d'autres joueurs de l'équipe de France jeune sur le chat. Profite pour saluer Yovan.
Donc Dame D3 est proposé. J'aime bien l'idée, c'est-à-dire de dire on triple sur la colonne ouverte. J'utilise l'avant-poste pour tripler. J'aime bien l'idée. Fou H4, bien joué. Fou H4, le club de Villeurbanne. Donc, alors tour prend E6, ça me paraît un peu exagéré, sachant qu'il y a tour prend D1, échec intermédiaire. Ou tour prend E6 d'ailleurs. Donc fou H4, c'était le meilleur coup. Bien joué, fou H4. Donc bien sûr, on laisse cette tour ici. Hein. En tout cas, je suis content, il n'y a personne qui a reculé la tour. De manière assez surprenante, les blancs ont reculé leur tour. C'était vraiment le tournant de la partie. Un tournant de la partie. Il y en a eu d'autres après. Ils ont reculé la tour. C'est incroyable de reculer la tour qui est postée sur l'avant-poste absolu. Comment on peut faire ça? Donc, bah bien sûr, il fallait rester. Alors, fou H4, c'est le coup qui met la pression, puisqu'on attaque la tour, même s'il y a fou E7 qui peut suivre. Mais dame E4, par exemple, aussi. Tout simplement, on protège E5 pour préparer peut-être le coup F5. J'aime bien dans l'idée dame D3 aussi. Je sais pas exactement ce que ça donne, mais j'aime bien l'idée. Je vais regarder d'ailleurs. Non, il dit qu'on va pas forcément avoir une version très favorable. Mais c'est vrai que l'idée principale c'était de réussir à placer ça et après de réussir à venir mettre le fou sur la grande diagonale. Et si on arrive à faire ça sans que les noirs puissent s'y opposer, on va juste avoir une position gagnante. Mais ce que j'avais remarqué dans une variante, c'est j'aime bien aussi des fois donner des choses pour les joueurs un peu plus avancés. Donc je vous montre cette variante sympathique. C'était sur dame E4, fou prend D6. En vérité, le meilleur coup ici c'est C prend D. Et on a un avantage complètement décisif. Par exemple, sur Dame F7, on joue fou H4, attaque la tour. Si la tour bloque en D7, on sait que les tours font de mauvaises bloqueuses de pions passés. Le fou arrive sur F6 et la position est complètement gagnante pour les blancs. Les noirs sont totalement paralysés. On Ça, peut c'était essayer la meilleure. d'ouvrir la colonne H après, en mettant une tour sur la colonne H et en jouant H4, H5. Oui, ça peut être un plan. Tour D2, tour H2, ouvrir la colonne H, ça peut peut-être juste gagner la partie. Faut voir comment on le fait. Peut-être avec un Dame H1 à la Alpha 0. Mais en tout cas, sur E prend D, qui paraissait tentant, il y aurait Dame F7, fou D4, et c'est vrai que si les noirs laissent le coup fou D5, ils vont être perdants positionnellement. Mais ils ont E5, coup spectaculaire qui rebat les cartes. Ici, en cas de fou prend E5, on peut par exemple tenter d'aller prendre A2, et soudain, il y a une colonne qui s'est ouverte pour les tours noirs, et c'est peu clair. Les blancs ont les meilleures chances, mais on voit que les noirs génèrent un peu de contre-jeu. Voilà, donc en tout cas, dans la partie, il y a eu tour 6 D3. Qui était terrible. Et les noirs en profitent immédiatement. Noam, il n'a pas attendu très longtemps pour placer tour D5. Et c'est son avant-poste absolu. Alors, c'est vrai que l'avant-poste absolu, c'est plus fort sur la sixième rangée. C'est là où c'est le plus fort. Sur la cinquième, c'est bien. Sur la quatrième, comme c'est le cas ici pour les noirs, par rapport à leur camp, c'est déjà moins puissant. Mais là, c'est plutôt un coup défensif finalement. C'est-à-dire qu'il se faisait marcher dessus avec la tour en D6 et maintenant il dit non, je ne veux pas laisser ça. Et les blancs ne peuvent plus utiliser l'avant-poste absolu. Donc il y a eu tour prend, C prend, B4. Et on peut dire ici que les noirs se sont rapprochés de l'égalité. Ils souffrent toujours de l'espace. C'est pas facile. On a toujours un pion de moins. Donc on n'est pas au meilleur de notre forme, mais on respire largement par rapport à tout à l'heure. Voilà, donc c'était un moment très important. Donc, c'est des séquences de coups à montrer dans les écoles d'échecs en fait. Hein. C'est laisser cette tour ici, puisqu'on va créer un pion passé protégé et on aura un fou de case noire très fort et on a tout l'espace. Plutôt que de la reculer et se faire piquer l'avant-poste. Voilà. Après, il s'est passé plein de choses qu'on va pas voir, c'est pas le thème. On nous demande si Dame B3 était jouable. Peut-être. J'aime assez l'idée, mais ça avait toujours un peu la même question, que va-t-il se passer sur fou prend D6? Moi, c'était un assez bon coup, dame B3, mais on se fait un peu titiller sur le pion là. Je sais pas si on peut jouer juste ça. Oula, il va essayer de créer du contre-jeu apparemment. Bon, c'est complexe. C'est complexe, mais dame B3 intéressant. Voilà pour cet exemple. Alors, je regarde un peu. Où on en est. Est-ce que tu penses, Marc, qu'on peut faire peut-être un dernier exemple d'avant-poste avant de passer à la Oui, bien finale? sûr. Alors, dans ce cas-là, je vais sélectionner Andreïkine. Est-ce que ça fonctionne? Non. C'est pas une bonne nouvelle. Je vais essayer de régler ça. Ok.
Et ok. Ah, c'est légèrement décadré. Bon, on va recadrer ça. Ça vous fait une petite respiration. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'avant-poste, puisque ça va être le dernier exemple, et ensuite on passera au final. Alors, Jovan Catino demandait le résultat de cette partie. Et malheureusement, c'était égal, c'était à peu près égal, et Noam a voulu à tout prix gagner la partie. On connaît son style combatif, c'est aussi ce qui lui a permis de remporter deux titres de champion de France. Et il s'est fait contrer, et malheureusement, il a perdu. Moi, je dis qu'un joueur qui joue tour 6 D3 ne méritait pas de gagner cette partie. Mais aux échecs, on sait que c'est pas toujours celui qui mérite. Voilà, donc dernier exemple, Andrey Kine. Alors c'était un blitz, mais j'ai bien aimé la séquence de coups. On prend la partie après le 19e coup des noirs, dame D7. Andrey Kine, qui est un brillant joueur en général, puisqu'il a été la plupart du temps plus que 2700 Elo, je pense que c'est encore le cas. Et aussi spécialement brillant dans les cadences rapides. Donc il joue tour E6, il utilise l'avant-poste. G5, il joue contre Motilyov. Fou E3, cavalier G7. Et ici, je pense que vous pouvez deviner assez facilement le coup qu'il a joué. Bon, je ne vous fais même pas chercher tellement c'est facile. Voilà. Je vous ferai chercher un autre coup tout à l'heure. Donc il se fait attaquer la tour. Bon, de toute façon, il avait prévu le coup avant, puisqu'il a son pion F5 qui traîne. Il joue D5. Voilà. Et il crée l'avant-poste absolu. Andrey Kine, qui était champion du monde junior en 2010, soit un an avant cette partie. Exact. C'était un des concurrents de Maxime Vachier-Lagrave. Maxime qui avait dû gagner le titre l'année d'après. Ou quelque chose comme ça. Donc D5, il y a eu C5. Alors son idée sur cavalier prend, c'était de faire F prend, dame E7, G4. Et les blancs dominent la position encore une fois avec ce très fort pion passé protégé à deux cases de la promotion. Il y a eu C5. Les noirs ont essayé de pas prendre la tour. Il y a eu H4, H6, H prend G, H prend G. Tour B1. Bon, c'était plus précis de faire dame H3, mais c'est un blitz, hein, donc c'est pas non plus les coups les plus précis. Il y a eu tour AE8. G4 protège le pion. Et finalement, les noirs craquent. C'est difficile de tolérer une pièce sur un avant-poste aussi bien placée pendant si longtemps que ça. Elle met de la pression sur les pions. C'est pénible. Donc finalement, il se dit, je vais la prendre. D prend. Par contre, ça ouvre la diagonale pour la dame pour mettre la pression sur le pion en B7. Et comme c'est un blitz, il se trompe. Il aurait dû tenter la capture en A4. Bon, ça faisait un peu peur, hein, parce qu'après tour en B7, on se dit, est-ce que mon roi va survivre? En vérité, c'était le cas, mais il a préféré faire dame C6. Coup élégant des blancs. Rayon X, tour prend B7. On gagne le pion. Notre tour est protégée à travers la dame noire par notre dame. Les noirs échangent les dames. Et joue tour B8. À vous de jouer. Vous avez les blancs. Qu'est-ce que vous jouez? Ce sera la dernière question pour ce milieu de jeu. C'est plus une question de rapidité maintenant. Je pense que... Ouais, c'est ça. C'est plus une question technique, c'est une question de rapidité. Ah oui, donc j'avais même pas posé la question, mais il y avait quand même la réponse tout à l'heure. Excellent. Alors, on va voir quels sont les clubs à la pointe en rapidité. Le club de Belfort a la bonne réponse. Thierry Trévisiol a la bonne réponse. Tout comme Charlie. Ah, Jovan a échangé des tours. Je pense qu'il n'a pas eu la Alors, bonne c'était un trait inspiration. d'humour, je pense. Je C'était de pense que l'humour. il voulait mettre une réponse un peu différente. C'est bien, ça fait de la variété. Bien joué, voilà, beaucoup de clubs, dont les clubs de Altorf, l'échiquier castré qui est très en forme, ont trouvé le coup. Tour B5, bien joué, voilà. Donc c'est vrai que si on a vu les exemples précédents, ça vient tout de suite en tête normalement. Hein. Donc voilà, donc il lui a fait deux fois dans la partie, hein. Une fois sur la case 6, une fois sur la case B5. J'ai bien aimé cette partie pour cette raison-là. Et en plus, c'est le coup gagnant, pratiquement gagnant, on peut dire. Donc il y a eu tour prend B5, mais tour A8 n'aidait pas beaucoup, hein, puisqu'on voit une route toute tracée pour le roi blanc.
sur la diagonale blanche. Il va venir sur D5 assez rapidement. Ça va être assez difficile de l'empêcher. Donc, puis il y a ce pion aussi à surveiller comme le lait sur le feu, puisqu'il a deux cases de la promotion. Donc, il y a eu tour prend B5 et la partie n'a pas duré très longtemps. Puisqu'ensuite, le roi est venu. Il y a eu roi F8 et le roi est venu. Bon, de toute façon, on ne pouvait pas empêcher l'arrivée du roi. Ça coûtait le pion C5 et ça, c'est très cher. Voilà, donc il y a eu roi F8, roi F4, roi C3, D5. Tour B8, pion C4. Tour A8, fou F2. Il fait une petite manœuvre. Il va. En fait, c'est terrible parce que les noirs ont tous leurs pions sur la couleur du fou. Donc le fou peut attaquer Tout ce qu'il veut. un peu ce qu'il veut. Et il y a eu tour A8 protège, fou G3 attaque, tour D8 protège. Et là, le coup final. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Tour D8 protège. Le coup final, fou H2, tranquillement. Tsuk-tsang. Voilà. Les noirs ne peuvent plus protéger le pion D6. Il y a eu tour C8, fou prend D6. Abandon, il va prendre encore le pion C5. Ça va lui faire trois pions passés. Non, jetez plus. Voilà, donc belle séquence des blancs. Ce D5 ici avec cette tour agaçante hein, en E6 sur l'avant-poste absolu. Et puis ici, il a replacé l'idée avec tour B5. C'était très fort. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce thème. Je vais vous montrer le récap. Ça, c'était l'ouverture. Voilà le récap du milieu de jeu. Un court récap. J'espère que vous aurez saisi l'esprit de l'avant-poste absolu. Donc, il y a plusieurs sortes hein, d'avant-poste. Donc, déjà, il faut essayer d'y voir clair. Mais là, on parlait vraiment sur une colonne ouverte, ce qui nous permet de créer un pion passé quand on reprend. Et donc, c'est encore plus fort quand on a deux pions qui protègent, parce que ça nous crée un pion passé protégé, ce qui est vraiment très puissant pour les finales. Bien sûr, sur la cinquième rangée, c'est déjà fort. Sur la sixième rangée, comme on l'a vu plusieurs fois dans les exemples, c'est encore plus puissant. Et puis bien sûr, si c'est central, c'est mieux parce que quand vous placez la pièce dessus, vous avez envie qu'elle rayonne sur la position. Et on sait que les pièces rayonnent quand elles sont centralisées. Si vous avez l'avant-poste absolu complètement sur le bord ou sur les colonnes B, c'est déjà un peu moins fort. Même si j'ai aussi un exemple d'Alekhine que vous pourrez voir dans la base où il le fait sur la colonne B. Voilà, donc vous avez compris l'idée. On essaie de placer une pièce sur cet avant-poste. Et puis s'il prend, on en profite pour créer un pion passé. Et ça peut être souvent des beaux sacrifices de qualité comme vous avez vu. Alors que l'on salue l'échiquier Montelet. Voilà pour ce récap. Et puis je vais redonner la main à Marc pour les finales. Et je vais changer le nom du chapitre. Hop. Alors. Voilà. Marc, c'est à toi. Oui, alors on va commencer à s'intéresser au final en fait de course de pions et la finale où on arrive à avoir une dame, mais que l'adversaire a un pion sur l'avant-dernière rangée. Donc on va commencer avec des exemples assez simples, et puis petit à petit on va monter en difficulté. Donc dans cette position, bah, c'est la course au pion, on n'a rien d'autre à faire que d'aller vite faire une dame, donc H5. Donc, alors comme ça s'actualise pas sur mon écran, Ah je oui, vais donc utiliser l'autre. oui, je te Enfin, laisse. je vais. Donc H7, D3, H8 dame, D2. Voilà. Alors, après D2, voilà. Comment gagner cette finale? Les noirs sont à une case de promotion. Si on ne fait pas échec, les noirs vont faire dame. Donc la seule manière de progresser, c'est de forcer le roi noir à aller devant son pion, ce qui laissera le temps au roi blanc de se rapprocher. Et une fois que le roi blanc sera suffisamment proche, on pourra collaborer avec la dame pour soit gagner le pion, soit réussir à donner un mat. Donc comment on va faire? On va faire des échecs arrière. On va commencer par dame 5 échecs. Donc roi F2, dame D4 échecs, le roi retournant de 2 pour protéger le pion. Encore un échec en E4, roi F2. Et là, on va s'arrêter de faire échec, mais on va jouer le coup clé dame D3. Ça oblige le roi à aller en E1. Donc c'est un coup très important, c'est un premier schéma clé, donc puisqu'effectivement on s'arrête de faire échec, alors qu'on peut être tenté de continuer. Hein. Donc il y a un moment il faut s'arrêter et il faut attaquer le pion par l'arrière.
Voilà, pour obliger le roi à venir, mais il peut venir sur E2 déjà. Voilà, c'est l'idée, c'est de forcer le roi à venir en E1. Parce qu'après, l'échec en E3 va permettre d'obliger, de forcer le roi noir à venir en D1, ce qui va boucher, bloquer le pion des deux. Voilà, donc Et c'est donc, on a gagné un temps. le deuxième schéma clé. Donc c'est quand on fait échec en attaquant le pion et le roi en même temps. Et le roi est obligé, s'il ne veut pas perdre son pion, de se mettre devant son pion, ce qu'il voulait éviter, mais bon, il peut pas l'éviter au final. Voilà. Donc ici, le roi blanc peut s'approcher. Roi F7. Le roi noir sort en C2, parce que s'il sort en C1, tout de suite on joue dame C3 échec, et puis le roi est obligé de retourner en D1. Ou même il est cloué, donc on peut venir tout de suite en fait. Oui. Voilà. Donc après roi C2, on reprend notre manœuvre autant de fois que nécessaire. Donc on joue dame C5 échec, on va délivrer des échecs en arrière pour forcer le roi noir à retourner devant le pion et approcher le roi blanc. Donc roi B2, En fait, dame D4 échec. j'ai déjà remontré jusqu'à Ah. roi D en fait. Voilà, je suis à roi D en ce moment, juste là. D'accord, donc roi E6, le roi s'approche. Voilà, et Et on peut dé. on recommence. Voilà, tu peux citer les coups pour que je sache Voilà, dame où E5 on en est. échec, roi F2, dame D4 échec, on l'avait déjà vu, roi E2. Donc s'il fait roi E1 tout de suite, bah bien sûr on fait dame E3 tout de suite. Hein. Donc voilà, donc, dame D4 échec, roi E2, dame E4 échec, roi F2, dame D3. Bon, on va juste faire défiler les coups à l'écran. Alors c'est assez long, mais c'est très efficace et il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de danger par rapport à la règle des 50 coups. Ça prendra jamais plus de 50 coups de faire cette manœuvre. Voilà, donc là on voit que ça prend quand même une trentaine de coups. Hein. C'est long mais assez facile. Voilà, une fois qu'on a compris le mécanisme. Alors, cette finale, voilà, elle est assez connue quand même des joueurs d'échecs. Oui. Donc, on va s'intéresser maintenant aux exceptions. Parce que cette finale, avec un pion sur l'avant-dernière rangée, elle est gagnante pour le camp qui a la dame, à condition que le pion soit sur des colonnes B, D, E ou G, c'est-à-dire sur les colonnes du cavalier ou sur des colonnes centrales. Mais sur les colonnes A, C, F et H, c'est-à-dire sur les colonnes des tours ou des fous, eh bien, les noirs ont une ressource défensive qui va être la ressource du pat. Voilà, je profite pour préciser par rapport à une remarque qui est sur le chat, parce que c'est vrai que c'est celle qu'on a montrée est très connue, mais on va monter en difficulté et on va finir avec une chose qui est quand même moins connue à mon sens, c'est les zones où doit être le roi pour gagner contre les exceptions. Donc ne quittez pas, hein, si vous vous dites oh là là, ça je connais tout et tout. On sait déjà que c'est dangereux aux échecs quand on se dit oh je connais tout. Déjà on part dans une mauvaise direction parce que c'est quand même l'école de l'humilité. Donc ne vous inquiétez pas, ça va monter en difficulté. Voilà, donc on va utiliser la La position position. suivante. D'accord. Avec le pion en A, c'est ça? Voilà, H4 contre A7. D'accord. Donc les blancs jouent H5, donc c'est la course des pions, A5, H6, A4, H7, A3, dame et A2. Et cette finale avec un pion de colonne tour, elle n'est pas gagnante, parce que une fois qu'on fait dame B8 échec, eh bien, le roi, cette fois-ci, peut accepter d'aller bloquer son pion en allant en A1. Et le roi blanc ne peut pas. Enfin, le roi blanc peut s'approcher, mais ça donnerait une position de pat. Et donc, si on veut délivrer le roi noir pour pas qu'il y ait pat, on va devoir bouger la dame, ou faire des échecs, le roi va bouger, et il y aura toujours la menace de la promotion du pion. Donc, si on ne peut pas approcher le roi, eh bien, on ne peut pas Oui, gagner cette position. toute notre idée, on l'a vu dans l'exemple précédent, c'était d'obliger l'adversaire à mettre son roi devant son pion pour pouvoir amener tranquillement notre roi. Si cette méthode ne marche pas, on n'a aucune autre méthode pour gagner si notre roi est aussi loin que ça. Voilà. Donc on va maintenant amener une troisième position un peu plus intéressante, pour ceux qui connaissent déjà cette manœuvre. Donc une position où on a, cette fois-ci, les noirs, ils ont deux pions. Le pion en A2 et le pion en H4. Donc là, il y a une grande différence, parce qu'on va pouvoir contourner la menace de pat des noirs. Alors, je ne sais pas sur le chat si... Vous pouvez proposer le coup gagnant pour les blancs. Donc les blancs jouent et gagnent. Sachant que les pions noirs vont vers le bas, bien sûr.
Est-ce que tu sais, Marc, si le coup gagnant est unique ou s'il y a plusieurs façons de gagner? J'avais l'impression qu'il était unique, mais peut-être que je me trompe. Non, il y a plusieurs façons de gagner, mais le. Enfin, non, je sais pas. Moi, je pense qu'il est. J'ai l'impression que c'est unique aussi, mais Ouais. peut-être que l'ordi il répète et après il refait. C'est ça, peut-être pour ça qu'il met plusieurs lignes gagnantes. Alors, oula, il y a plusieurs propositions différentes. Alors, on va tout de suite éliminer les joueurs ou les clubs qui ont proposé Dame C2, puisqu'il y a patte. Comme quoi, rien n'est si facile. Ah non, 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 non. Faut pas croire. Et donc, on a beaucoup proposé Roi G2 pour débloquer le pion H. Le problème, c'est que du coup, on permet au pion H d'avancer et de venir faire échec en H3. Ouais, il nous fait un chèque agaçant. Et là, si on prend du roi, eh bien, c'est pat. Si on prend de la dame, eh bien, les noirs pourront recréer le. Enfin, ils pourront jouer Ça Roi fait B2 et. voilà, c'est Voilà. juste l'exception, quoi. Match Voilà, nul. donc après H3, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on joue Roi H2, eh C'est bien, on pat. bloque. Voilà, si on joue Roi G1, il va y avoir H2 échec encore, le pion va continuer à avancer. Et Donc, si on fait roi H1, il y a H2. ouais. Et je pense qu'il y a mieux. Et si on fait Roi F2, il y a H2 encore. Ouais. Et donc, on va faire nul. Donc, la réponse est ici unique. On ne peut pas jouer Roi G2, en fait. Et Silicon Carnet propose Roi G4 et il dit que c'est le seul coup, et effectivement, c'est Roi G4. Il faut redonner la liberté au pion H, mais sans laisser la possibilité au pion H de venir Faire échec. nous attaquer. Ouais. Et donc, une fois que le pion H a la liberté et il joue H3, on va Obligé. pouvoir jouer Dame C2, et le roi noir serait en position de patte s'il n'y avait pas le pion H, mais là, il y a le pion H, donc le pion H va en H2, et à un coup près, on a le temps de jouer Dame C1 mat avant que le pion arrive à promotion et contrôle la première rangée. Voilà, c'est joli. Alors que je salue ST. Donc, finalement, le fait d'avoir un pion de plus pour les noirs dans cette position, c'est perdant pour eux, parce que ça va laisser aux blancs de créer cette manœuvre Dame B3, Dame C2, Dame C1 mat, en contournant les problèmes de patte. Voilà, donc c'est à retenir, ça peut servir. Alors, position suivante. Alors, avec les positions, le pion en C7 et le pion en H4. Voilà. Alors là, encore une fois, c'est pas gagnant. On disait qu'avec le pion tour et le pion fou, C'était de des colonne exceptions. fou, voilà, on a des ressources de patte. On va voir laquelle. Donc H5, C5, H6, C4, H7, C3. On fait dame et C2. Bon. Les blancs peuvent jouer dame H7 pour clouer le pion. Et si le roi noir vient en C1, eh bien, on approche le roi blanc. Si le roi noir vient en B2, eh bien, on va faire des échecs arrière avec dame B7, puis on va se rapprocher petit à petit. Sauf que là, les noirs, ils ont la ressource de jouer roi A1, d'abandonner leur pion, puisque la prise du pion amènerait à une position de patte. Donc finalement, bah, si les blancs prennent pas, les noirs vont renouveler les menaces de promotion et on n'aura jamais le gain de temps pour approcher le roi blanc. En fait, on peut Donc. montrer que après dame H7, roi B2 par exemple, ça va aussi pour les noirs parce qu'il peut utiliser ce pat plus tard. Donc, par exemple, si on refait la même chose que tout à l'heure avec les blancs, qui était notre technique pour gagner, on va voir la différence. Hein. Donc, on fait la même technique avec dame C3, roi B1, dame B3 échec, et c'est là qu'il y a la différence avec la position, la première qu'on a faite. Hein. Bien sûr, s'il fait roi C1, on va gagner la partie petit à petit, hein, ça va être la même chose. Mais c'est là qu'il va utiliser cette même idée de faire roi A1 et d'abandonner son pion. Voilà. Et on n'aura pas d'autre technique pour gagner cette partie parce que notre roi est trop loin. Donc voilà, on a fait tour des pions, des différents pions, des différences entre les pions qui sont à une case de la promotion contre une dame. Donc vous avez vu que les pions BD, E, G. Donc, il n'y a pas de problème pour gagner. Les pions A et H, ben, si le roi est trop loin, c'est nul. Et les pions C et F, si le roi est trop loin, c'est nul. Et maintenant, on va rentrer dans une zone intéressante. C'est les exceptions des exceptions, on peut dire. Voilà, pour les Puisque. joueurs les plus forts qui nous écoutent, c'est maintenant que ça devient intéressant de cette finale. Ça va être, voilà, on sait que les pions de colonne tour, c'est-à-dire les pions A, C, F, H, peuvent donner des ressources de nul, sauf si le roi blanc est suffisamment proche dans la position pour essayer de créer des réseaux de mat.
et même en laissant l'adversaire faire promotion. Donc, dans cette position que Sylvain vous a mise, voilà, on peut peut-être vous proposer de chercher le coup avec les blancs. Qu'est-ce que vous joueriez avec les blancs dans cette position? Donc, les noirs sont à une case de promotion. Voilà, donc faites attention, le pion noir, comme depuis tout à l'heure, est à une case, donc il menace de se promouvoir. Attention, Chess Clash Royale se trompe. Eh mon Et Chess Silicon Clash. Carnet aussi, ça joue trop vite. Mais Chess Clash Royale, il a dit qu'on était trop lent, mais lui il est trop rapide. C'est ça le truc, quoi. Eh oui. Belfort échec, trop vite, la réponse. Alors je Chiaki, trop vois vite. quatre mauvaises réponses, c'est ça? Eh oui. Ah là 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 là. On a encore du pain sur la planche. Eh oui, roi B3 ne gagne pas pour les blancs. Roi B3 a été proposé par beaucoup de personnes sur le chat. Oui, Malache, Malheureusement. Malache, vois le problème. C'est que si on joue roi B3, eh bien, les noirs font promotion non pas en dame, mais font une sous-promotion cavalier, fourchette, et on va Hop, éliminer la fourchette dame. royale. Ouais. Et les noirs jouent pour le gain. Non, je plaisante. Donc, c'est Thierry Paris qui a proposé, je crois, non, Malache Malache qui a proposé en premier le bon coup. Alors, juste, bon, bien sûr, c'est vrai que Roi B3, ça fonctionnait en cas de promotion dame. Mais la promotion dame n'est pas obligatoire aux échecs. C'est vrai qu'on pouvait mater par dame A2, c'était élégant. Et c'est une des idées qu'on va utiliser souvent, d'ailleurs, dans ce type de finale pour gagner quand même. Le laisser faire une dame et le mater. Mais ici, on se prend une fourchette royale, donc ça fait mal. Donc le coup gagnant est assez paradoxal, et même, on peut même dire très paradoxal. Puisqu'on fait Roi C3, on le laisse faire dame sur échec. Et on fait Roi B3. Et maintenant, roi B3. Et les noirs n'ont aucune défense satisfaisante face à la menace dame A2 mat. La dame noire, dès qu'elle bouge pour essayer de faire échec, elle se fait immédiatement attraper. Donc, il Sinon, n'y aura pas d'idée il de y a une patte dame non B2 plus. mat qui traîne aussi. Donc, trop de problèmes ici. Il n'y a pas d'échec. Hein, donc, la dame est incapable de produire un simple échec. Alors, ça gagne parce que la dame est sur E2. Sinon, il y aurait eu un dame D1 échec. Hein, si on avait eu la dame plus éloignée. Donc il y a certaines situations où notre dame doit être placée à un endroit très précis pour que ce schéma où chacun a une dame gagne, et puis d'autres où c'est pas très important, elle peut être à peu près n'importe où sur la rangée, c'est la même chose. On va le voir juste après d'ailleurs. C'est un Alors, exemple. Silicon Oui. Carnet, il demande si Roi B4 ne gagnerait pas. Intéressant. Ben j'ai envie de proposer un coup comme roi A1. Avec l'idée dame prend pion pâte. Avec l'idée roi B3, c'est un cavalier. Avec l'idée roi C3, c'est un dame. Je vérifie. Alors, Ah, ça gagne quand même par dame D2. Oui, on rentre dans un endroit très intéressant. Vous voyez, c'est qu'il y a des ressources. En fait, c'est un combat de ressources. Il peut y avoir des contre-ressources pour les deux joueurs. C'est-à-dire que les noirs étaient très malins. Ils se disaient, je veux provoquer le pat ou une promotion dans des bonnes conditions, mais les blancs sont encore plus malins et jouent dame D2. Et ils disent maintenant, qu'est-ce que tu fais? Si tu fais roi B1, je te place le fameux roi B3. Et Bon, puis. finalement, ça va être un peu plus long, mais on va devoir repasser par la position, quoi. Oui, c'est ça, on va atteindre la même position. Par exemple, sur roi B2, on va faire encore roi. Qu'est-ce qu'on va faire d'ailleurs? Roi C4, je suppose. Qu'est-ce qui se passe-t-il sur roi A1? Ah, cette fois, Alors, on ouais. fait roi B3. Ouais. Voilà. Pas de problème. Ok, pour cette position. Alors, la suivante, je l'ai rajoutée. Donc, je sais pas si tu peux. J'en avais une aussi, j'en avais mis encore une aussi. Oui, elle est après. Ah, d'accord, très bien. Voilà. Alors je vais regarder, là je crois que ça Donc, défile. c'est roi blanc en G5. La dame blanche en A2. Le roi noir en G1. Et le pion. Noir en H2. Donc on est encore contre un pion du bord. Et les blancs essayent de gagner. Donc c'est pas difficile, mais c'est une position très importante qui montre ben, toute l'idée qu'on est en train d'expliquer, d'essayer de créer un réseau de mat malgré le fait qu'il puisse faire une promotion. Et là, c'est pas important le placement de la dame, parce que vous voyez qu'elle est très loin. Tout à l'heure, elle devait être très près pour empêcher l'échec de la dame adverse, mais ici elle peut être très loin, ça change rien. Donc on va gagner par roi G4, H1 dame et roi G3. Donc on retrouve un schéma similaire, mais vraiment fondamental pour la théorie des finales.
C'est cette dame coincée dans le coin qui ne peut pas donner échec. Et ici, j'ai envie de dire qu'il est un peu plus fréquent que l'autre, puisque la dame peut être, voilà, n'importe où, hein, sur les 5 cases que j'ai mis en vert, sur les 5 premières colonnes, sur la deuxième rangée. Donc vous voyez que par rapport au placement du roi, sa capacité à intervenir pour créer un réseau de mat, ça peut tout changer entre position gagnante ou position match nul avec ses pions de colonne H. Et d'ailleurs, Sylvain aura une petite surprise par rapport à ça après. Alors, on a la fameuse position dont tu parlais, Marc, maintenant. D'accord. Est-ce que c'est la surprise dont tu parles? Non, la surprise dont je parlais, c'était le tableau avec Les toutes zones. les positions. Voilà, Toutes les les zones zones. de Ouais. position droit qui sont On gagnantes ou va match voir nul. juste. Voilà. Ce sera la conclusion. On a réussi à respecter le timing. Je suis assez fier de nous. Et puis on va quand même poser la question aux internautes. Qu'est-ce qui jouerait ici? Parce qu'on a le pion de colonne A et le roi blanc est très loin. Et pourtant, les blancs vont gagner. Pourtant, beaucoup de joueurs se diraient que cette position est match nul. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Mais là, il y a une particularité. On a l'impression que c'est juste une exception et que il va y avoir patte. Mais les blancs jouent et gagnent. Je sais plus Alors le le bon nom coup. du compositeur, mais je crois. C'est une étude, hein, qui est. C'est une étude et je j'ai plus le nom du compositeur. Je sais pas si je pourrais le retrouver, peut-être pas maintenant. Alors on a le bon coup a été proposé, roi B6. Ça va permettre de rapprocher le roi en interceptant le motif de patte, puisque la dame contrôlera plus les cases B2 et B1. En tout cas, belle efficacité sur cette position dans le chat, hein, parce que soit vous la connaissiez, donc bravo pour votre culture, soit vous l'avez trouvée, donc bravo pour votre trouvaille. Bravo, roi B6. Donc on enlève le pat, donc le roi peut ressortir, roi B2. Et le roi continue à s'approcher, cette fois-ci en donnant échec. Roi C5 échec. Alors là, deux possibilités, enfin, pour le roi, soit il va se replacer en A1 en situation de patte, soit il va s'écarter du pion. Je crois qu'on peut regarder la situation de patte. Oui. Donc après roi 1, on peut à nouveau approcher le roi en B4. On recommence. Voilà, on recommence. Et il n'y a pas de patte, donc le roi s'en va en B2. Et maintenant, le roi blanc est suffisamment proche. Donc on va jouer dame H2 échec, roi B1, puis approcher le roi et on revient dans la position que tu donnais tout à l'heure. Si le pion fait dame, on mate en C2. En fait, ici, c'est Alors les. encore plus rapide. Voilà. On est Voilà. encore plus en avance sur tout à l'heure. On mate tout de suite. Alors les noirs peuvent essayer de différer un peu la défaite en faisant promotion cavalier, en faisant échec. Mais bon, après roi C3, bien sûr, il n'y a plus d'idée pour le. Pour arrêter le mat par dame B2. Voilà. Voilà, donc autre possibilité sur roi C5 échec, c'est roi C1. Voilà. Donc, la dame vient en E5 pour contrôler la case de promotion A1. Donc, le roi, il est obligé de venir en B1 pour soutenir. Puis, dame E1, échec, roi B2. Dame D2, échec, roi B1. Et le roi blanc est maintenant peut s'approcher, roi B4. Voilà, et là c'est On la peut même que tout laisser à faire l'heure. la promotion, toujours dans la même idée Et roi de jouer B3. roi B3. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a mis la dame en D2, mais par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, normalement vous avez compris qu'on pouvait aussi la mettre sur F2, par exemple. C'était la même chose. A noter que si le roi noir tente de s'opposer, des fois il y a des finales, il faut s'opposer au roi adverse. Ils appellent ça la charge à l'épaule en anglais, mais là il y aurait dame F6, et on prend le contrôle de la case A1. Si on met la dame sur A1, évidemment, c'est complètement gagnant. Donc on peut faire dame F2 échec, roi B1, roi B4, A1 dame, roi B3. Et on avait vu que c'est ce schéma gagnait, quel que soit le positionnement de la dame sur la deuxième rangée. Voilà. Alors, tu Donc as un petit tableau à nous proposer. voilà, alors pour conclure cette section sur cette fameuse finale dame contre pion en septième rangée, trois zones de gain. Donc, qui correspondent aux exceptions, donc des pions A et H ou des pions C et F. Donc, voici la première. Alors, j'explique. Donc, ici, nous luttons contre un pion A, à une case de la promotion, bien sûr, toujours. Donc, la zone qui est dessinée, en fait, c'est toute la zone qui est à l'intérieur
des cases qui sont en vert. Donc les cases en vert sont gagnantes et les cases qui sont à l'intérieur, comme par exemple C4, B4, A4, sont gagnantes aussi en fait. Tout le quart inférieur gauche est gagnant, plus les cases qui sont en vert sur la colonne E et la cinquième rangée. Si le roi blanc est placé dans cette zone, la position est gagnante. Donc toute cette zone correspond à l'exception de l'exception. Voilà. Donc pourquoi c'est gagnant? Eh bien, on sait déjà que si le roi blanc arrive sur B3, y compris si on a laissé faire une promotion et qu'on a la dame sur la deuxième rangée, on a vu que c'était le mat imparable. Donc déjà, on sait que si on a deux cases avec notre roi de la case B3, c'est gagnant. Donc effectivement, voilà pourquoi si on est en A5, on gagne puisqu'on a deux cases de la case B3. Et si on est même carrément en D5, qui a l'air assez loin quand même, on est à deux cases de la case B3. Donc on gagne. Par contre, on pourrait se dire, mais pourquoi ça gagne si je suis sur la colonne E? Quel est le rapport avec la case B3? Il n'y en a pas. Et c'est une autre idée qu'on va mettre en place. D'essayer de rapprocher le roi, soit sur la case D3, soit sur la case D2, voire sur la case D1, pour préparer quand le roi noir sera sur B1. Et qui va faire sa dame, le coup dame C2 mat. Voilà. Alors, on pourrait le montrer, mais toute l'idée, bien sûr, c'est de réussir à mater quand il fait sa promotion. Donc, on comprend notre roi doit réussir à atteindre une zone assez intéressante pour préparer un tableau de maths. Et comme il n'y a pas beaucoup de tableaux de maths possibles, on peut réduire assez facilement les options. Voilà. Donc, par exemple, ici, on fait roi C4. Oui, ça c'est vrai que c'est. Je sais pas si c'est le coup unique pour gagner, mais non, on a plusieurs façons de gagner. Roi C4 ça gagne parce qu'on laisse faire une promotion. Là c'est plus compliqué hein, par contre. On se dit on laisse faire une promotion dans des circonstances qui sont pas claires. Donc ça c'est à connaître aussi parce que parfois c'est la seule façon de gagner. Donc dame D2 échec. S'il fait roi A3, il est mat en 2, donc encore un tableau de maths. C'est celui que j'ai expliqué tout à l'heure, mais à l'envers. La dame elle était sur C2 tout à l'heure, maintenant il est sur B3, mais il y a mat. Et après dame D2 échec, roi B1. Roi B3, on retrouve le schéma de tout à l'heure, mat imparable. Donc roi C4, déjà, ça gagne comme ça. Sinon, on peut faire dame F6 échec. Il ne doit pas abandonner la case A1, car si on place la dame dessus, on a gagné. Donc il doit faire par exemple roi B1. Enfin, il n'a pas le choix en fait. C'est pas par exemple, il doit faire roi B1. Dame F1 échec. Donc on retrouve la manœuvre qu'on a vue tout à l'heure dans ton exemple, Marc. C'est-à-dire qu'on fait un échec sur la première, un échec sur la deuxième. Il est obligé toujours de faire roi B1. Bon, s'il fait roi B3, on lui pique la case de promotion. Donc c'est terminé. Donc il fait roi B1 toujours, et on amène le roi, et bien sûr on avait déjà vu cette idée d'amener le roi sur B3. D'accord? Donc c'est vrai que pourrait montrer un exemple avec le roi en E3. Toute l'idée va être réussir de placer le tableau avec le roi qui viendra sur D2 ou D3. On le laisse faire une promotion et on fait dame C2 mat avec son roi en B1. On a vu que son roi était obligé très souvent d'aller sur B1. Donc on cherche un tableau de maths avec son roi sur B1. Voilà. Donc, c'est la première zone. Donc, je l'ai effacée sans faire exprès, mais vous l'avez retenue. Hein, elle est comme ça. Oui, c'est le carré sans la case de 5, en fait. Ouais, exact. En fait, c'est le quart avec quelques cases en plus. Mais voilà, E5, ce serait trop loin. En fait, le roi en E5, il est un tout petit peu trop loin parce qu'il est à 3 cases de la case B3 et il est à 2 cases de la case D3. Donc, c'est trop loin. À retenir. On pouvait retenir comme ça peut-être. Vous dites que les autres, si on atteint B3 ou D3 ou D1, parce que D1 c'est pareil que D3, ça va. Mais E5, on peut rien faire de tout cela. Allez, zone suivante. Donc c'est contre un pion C ou contre un pion F, bien sûr, parce que c'est pareil. Alors pourquoi il y a deux zones? Parce qu'il y en a une où le roi noir, il est loin du coin. On sait qu'il veut aller vers le coin, parce qu'il veut provoquer un pat. S'il est loin du coin, notre zone est très grande finalement, regardez. C'est toute cette zone, plus les cases qui sont à l'intérieur, vers le bas et vers la gauche. Donc notre roi, s'il est sur A5, on gagne. Pourquoi? Parce qu'on est à deux cases de case B3. Ça, on a déjà compris depuis tout à l'heure. C'est le même principe. Et si on est sur la colonne G, ce qui paraît quand même très loin, on gagne parce qu'on va venir sur F3 ou sur F2. Et on va faire dame E2 mat quand il va faire C1 dame. Et que son roi sera en D1. Voilà, donc c'est le même principe. Donc toutes ces cases en vert, plus celles qui sont à l'intérieur, si notre roi est sur une de ces cases et que son roi est en D2, on gagne. Donc là, c'est un exemple de dame G5, roi D1, dame G4 par exemple.
Admettons qu'il essaye de se diriger vers le coin. Bon, on voit que notre roi va venir. Et là, c'est marrant parce qu'on retombe dans la proposition de tout à l'heure de roi A1, dame D2, bon coup. Roi B2, roi B4, roi B1, roi B3. Et s'il fait une dame, on fait dame A2 mat. Sinon, s'il fait roi D2, on continue par dame D4 échec, roi E2, dame C3, roi D1, dame D3 échec, roi C1, et notre roi est déjà là. Voilà, ça finit par les mêmes idées. Une idée qu'on n'a peut-être pas encore vue, c'est en cas de roi 1 ici. Bon, déjà, il y a roi B3 qui gagne, mais je voulais montrer qu'on pouvait faire dame C1 sur échec et piquer son pion sur échec. Donc le coup du pat, c'est pas quelque chose de magique qui marche tout le temps non plus, hein. Si on se prend le mauvais échec, ça ne peut nous casser notre patte. Voilà pour la zone. Et la dernière, et il est 21h donc ça tombe bien. Dernière zone. C'est une zone beaucoup plus petite, car le roi noir est déjà près du coin avec un pion C ou un pion F. Donc ici, notre roi doit être vraiment très près. C'est-à-dire qu'il doit être soit une seule case de la fameuse case B3. Il doit être tout de suite au contact de la case B3. Donc par exemple, s'il est sur A4, B4, C4, ça va. Ou à une case de la case D2. Donc c'est les deux cases clés. Pourquoi? Parce que s'il est sur D2, on va pouvoir placer un dame B8 échec et piquer son pion avec le roi. Tout simplement. Par exemple, dame B8 échec ici. Si il joue roi, disons roi A2, bah on fait juste roi D2 et on lui pique son pion. Donc il n'y a pas de patte, il n'y a rien. Voilà. Donc ici, il faudrait qu'il résiste avec roi C1. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ces schémas. On faut faire attention parce qu'il y a le thème du pat. Hein. Pour l'instant, il est en pat. Donc il faut qu'on enlève le pat. Et on va carrément faire un réseau de mat. Donc dame B8 échec, roi C1. Roi E3. Il est obligé de faire roi D1. On vient le clouer. On a déjà remarqué que le clouage pouvait souvent nous être utile dans cette finale, dans ce type de finale. Donc évidemment, s'il fait roi E1, on prend le pion. Donc il fait roi C1. Et ici, un élégant mat en deux coups que je vous laisse trouver. Ce sera la dernière question pour ce soir. Les blancs gagnent. Bon, je vous ai donné quand même un indice en disant que c'était un mat. Mais c'est vrai que en fait, on n'est pas obligé. On peut juste faire. Cette Roi position n'est pas D3. très pertinente. En fait, elle est plus pertinente dans d'autres circonstances. Ici, on peut juste faire roi D3, effectivement, pour gagner le pion et mater en trois coups. Mais je tenais quand même à vous montrer le mat élégant parce que parfois, enfin, à vérifier, mais je crois que parfois, c'est la seule façon aussi de gagner. Donc, et puis, c'est toujours élégant de forcer l'adversaire à tomber dans le mat. Donc, dame B4. Il est en zugzwang et il doit se faire mater de lui-même en fait. Voilà, avec dame D2 mat. Donc, parmi les trois autres de gains de positionnement de roi, finalement, celle où c'est le plus réduit, c'est le pion C avec le roi sur le bord, enfin proche du bord, proche du Voilà, coin. il est déjà en train de fabriquer son pat en fait. Donc il faut qu'on ait vraiment notre roi très très près de la case B3 ou de la case D2 pour le contrecarrer. Après, la zone la plus large, c'est quand le roi, avec toujours avec le pion C, est de l'autre côté. Oui. Ça, c'est... Et puis la position intermédiaire en termes de positionnement de roi, c'est quand on lutte contre le pion A. Exactement. Voilà. Donc on en a terminé. Petit récap. Donc on n'a pas mis les zones dans le récap, hein, ça aurait fait trop gros récap. Mais petit récap déjà sur cette finale, très importante, hein, puisque souvent dans les finales, à un temps près, on peut faire une dame et l'adversaire est à un coup de faire dame, donc finale très importante. Voilà. Donc c'est la lutte d'une dame contre un pion en septième rangée, alors, ou deuxième rangée, respectivement, bien sûr. Donc bah, on a tout dit, hein, donc c'est plutôt si vous avez des questions. Ah, alors qu'il y avait un autre mat très élégant, je vais le montrer, tiens. Je vais le montrer parce que j'aime bien les mats élégants comme ça. C'était dame B8 échec roi C1. Tac, 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 tac. C'est dame B7 qui a été proposé sur le chat.
Avec l'idée roi D1, dame H1 mat. Ah oui, très joli, hein. Ça me plaît. Ça me plaît, je montre. Alors maintenant le récap. Voilà. Plus joli que l'autre, hein. Encore plus joli, ouais. Je suis jaloux. Donc voilà, donc vous avez vu qu'il y a une règle générale qui fonctionne contre les pions BDEG. Il y a des exceptions, il faut les retenir. Très utile dans pas mal de finales théoriques, dans vos parties, ça peut largement vous servir. Et puis les exceptions des exceptions. Donc très intéressant pour les joueurs qui veulent aller plus loin. Donc c'est ce qu'on essaie de faire aussi dans ces masterclass, de donner des choses qui à la fois peuvent servir pour les joueurs qui parfois ne jouent pas depuis très longtemps, mais aussi, si on arrive à le faire pour certains thèmes, de vous donner des choses plus avancées pour donner aussi de la matière aux joueurs qui jouent depuis beaucoup d'années. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur ces points-là. Oui, bien sûr. Quand ils font la diffusion, quand les clubs font la diffusion dans leurs locaux, ils peuvent avoir 10, 12 joueurs, 15 joueurs de niveaux très différents. Donc, il faut essayer de s'adresser à tout le monde. Voilà, donc je sais qu'il y a des clubs qui doivent fermer aussi des fois, sur le coup de 21 h. Donc on Ou qui vont a. commencer la soirée de Blitz Et d'autres qui vont. Chez qui la soirée ne fait que commencer. Donc très bonne soirée à tous. Comme à l'habitude, on va mettre les supports sur la page. Alors, si ce n'est pas demain, ce sera dimanche. Hein. Oui, vous retrouverez toutes les positions qui ont été expliquées, les petits encarts et peut-être des exercices également. Voilà, on va essayer de. Et la vidéo en différé, le lien de la vidéo. Tout à fait. Donc la prochaine masterclass, hein, vous avez déjà la date, c'est au mois de décembre, dans à peu près un mois. J'ai pas la date sous les yeux. Mais je pense que vous l'avez bien notée et elle est bien en évidence dans l'article sur le site de la FFE. Donc je rappelle, hein, si jamais vous n'avez pas. Je crois que le lien est tout simplement dans la description. Je vérifie. Voilà, vous avez juste à cliquer en fait dans la description en Le dessous 14 décembre. sur le lien. Voilà, le 14 décembre. Donc vendredi 14 décembre. Et puis très prochainement, on donnera les prochaines dates, les dates de l'année 2019. Voilà, pour que vous puissiez vous organiser. Je crois qu'on a été complet. Ouais. Marc, merci beaucoup. Eh bien, merci Sylvain, et puis bravo Sylvain, parce que Sylvain fait le voyage ici à 4 h 30 du matin, hein. Maintenant, je vais aller me coucher. Voilà. Merci à Merci à tous. tous. Bon week-end. Et puis, donc, au mois de décembre pour la prochaine masterclass. Au revoir. Salut!